Merci, petit Sam. Bonjour, chers collègues et amis. Ravi de vous retrouver pour notre huitième webinaire de l'Association marocaine d'urologie qui est intitulé Tumeur de vessie de l'endoscope au microscope, apport de la résection monoblo. C'est un sujet qui est fort intéressant et pratique. C'est un sujet d'actualité et qui a suscité beaucoup de discussions et des questions. C'est ce qu'on va voir ce soir avec notre grand ami, donc le docteur Bernard Malavaux, urologue au Centre universitaire de cancérologie de Toulouse. Il sera accompagné du docteur Sarah Péricard, médecin anatomopathologique du même centre. Nous avons aussi avec nous quatre modérateurs qui vont partager la tâche entre la partie urologique et anatomopathologique. Professeur Dahani, professeur Benani pour l'urologie, docteur Ilman Sorif Doua et docteur Fahd Abed pour l'anapath. Je remercie chaleureusement nos deux conférenciers pour leur collaboration. Je remercie les modérateurs, je remercie les urologues qui vont participer avec nous ce soir, qu'ils soient marocains ou maghrébins. Je remercie Madame Ptissem Nourlil du laboratoire Hikma. À vous, Madame et Monsieur les orateurs, les modérateurs. Bonsoir. C'est un grand honneur pour nous d'être parmi vous pour vous présenter Dr Péricard Sarah du Centre de cancérologie de Toulouse qui va nous présenter une présentation sur la prise en charge des pièces opératoires de résection des tumeurs vésicales en monobloc. Je vous donne la main, Madame Péricard. À vous, Sarah. Hein? Oui, vous voyez? Oui. Parfait. Excellent.
Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie de m'avoir convié à ce webinaire. C'est un vrai plaisir pour moi de venir vous parler de la prise en charge à NAPAT de ces résections monoblocs. Parce que je dois avouer qu'en tant que pathologiste, moi, je n'y vois que des intérêts. Donc, je vais vous exposer un petit peu mon expérience dans le laboratoire de la résection monobloc. Excusez-moi, docteur Péricard. On va juste insister sur la petite case questions-réponses. Les collègues peuvent les poser au fur et à mesure de la présentation et on les recueillera et on synthétisera pour les reposer plus tard en fin de présentation. Merci. Donc, les résections vésicales conventionnelles donc en copeau ne posent pas toujours problème. Évidemment, dans les cas des pathologies relativement simples, le diagnostic est assez aisé. Je vous ai mis ici quelques exemples. Par exemple, ici, un carcinome urothélial infiltrant massivement le muscle, donc un PT2, avec ici les petites étoiles représentant le carcinome et ici le muscle propre qui est massivement infiltré. Le cas aussi des tumeurs de bas grade papillaire, pour lequel le diagnostic est relativement simple. Et enfin, le cas de CIS classiques, pour lesquels on n'a aucun souci diagnostique sur des RTV conventionnels. Maintenant, dans certains cas, les résections de copeaux peuvent poser des difficultés de lecture pour nous pathologistes, soit liées à la technique de prélèvement, soit liées à la pathologie, au type de cancer, qui est plus difficile parfois à interpréter sur des copeaux. Donc, d'une part, déjà, c'est un matériel fragmenté. Donc, un matériel, c'est une tumeur qui est complètement fragmentée, dont on a perdu toute orientation dans l'espace. C'est un peu comme un puzzle pour lequel on aurait mélangé tous les morceaux. Et c'est donc à notre œil de reconstituer la tumeur pour essayer de faire un diagnostic le plus précis possible. Ensuite, la RTV conventionnelle présente également l'inconvénient de présenter souvent des artefacts qu'on dit d'électrocoagulation, comme illustré ici. Donc, on a un matériel tumoral qui est un peu brûlé. Donc, on peut avoir des difficultés diagnostiques à la fois sur le grade, mais surtout sur l'infiltration et le niveau d'infiltration. Alors, le premier problème qu'on peut avoir, donc, c'est de distinguer les tumeurs PTA non invasives des tumeurs invasives infiltrant le chorion PT1. Il faut savoir que, vous savez, les tumeurs papillaires sont des tumeurs qui s'organisent de manière tridimensionnelle assez complexe, avec des axes, des branchements un petit peu dans tous les sens. Et nous, sur la lame, on va avoir quelque chose en 2D. Donc, déjà, on a une première difficulté qu'on ne pourra pas éviter, c'est le passage du 3D au 2D. Néanmoins, ce qu'on observe fréquemment avec les résections en copeaux, c'est qu'on a des plans de coupe tangentiels, comme illustré ici, qui vont ajouter une difficulté pour l'interprétation, notamment de l'infiltration. Par exemple, ici, vous avez le cas d'une tumeur papillaire qui est coupée tangentiellement, comme illustré ici. Donc, on voit dans le chorion des petits massifs qui correspondent vraisemblablement à des plans de recoupe des papilles en surface. Donc, on a un plan de recoupe tangentiel et on a ce qu'on appelle les images de pseudo-infiltration du chorion. Donc, dans certains cas, ces images de pseudo-infiltration peuvent être très déroutantes et il peut arriver qu'on ait du mal à conclure sur le caractère infiltrant. Ici, vous voyez un autre exemple d'une coupe tangentielle. Donc, ici, il s'agit d'un carcinome qui infiltre le chorion. Vous voyez ici, par l'étoile jaune, le contingent infiltrant donc, est constitué par ces nappes de cellules roses. Et tout autour, on observe le revêtement de surface qui est tout autour de la partie infiltrante, qui n'est pas vraiment anatomique. Donc, en fait, c'est une papille qui est coupée de manière tangentielle. Donc là, on peut dire que ça infiltre le chorion, mais on est incapable de dire avec certitude le niveau d'infiltration. Donc, est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est une infiltration profonde? On ne peut pas non plus mesurer l'infiltrant. Or, on sait que ce sont des facteurs. Ensuite, la deuxième question est encore plus importante, de distinguer la musculaire muqueuse, comme vous le savez, qui est constituée de faisceaux musculaires qui se situent à mi-hauteur entre l'urothélium de surface et le muscle propre en profondeur. Donc, il faudra distinguer ces faisceaux du vrai muscle propre qui constituera un stade PT2 en cas d'infiltration. Je vous ai montré des exemples qui peuvent être problématiques sur des RTV conventionnels. Donc ici notamment, donc tout ce que vous voyez ici en violet, c'est de la tumeur
qui infiltre visiblement au minimum le chorion. Et là, on retrouve un faisceau musculaire qui est assez épais et pour lequel on ne va pas pouvoir affirmer avec certitude s'il s'agit de musculaire muqueuse ou bien de muscle propre complètement envahi pour lequel on verrait un faisceau restant. Donc, on n'a aucune orientation, donc on ne peut pas préciser. Donc, dans ce cas-là, on vous dit en général que c'est au minimum un PT1B, au minimum une infiltration de la musculaire muqueuse sans pouvoir aller plus loin. Ici, un autre exemple, vous avez sur ce copeau de résection, la tumeur qui arrive à proximité de muscles propres. Pour le coup, on a des gros faisceaux musculaires bien organisés, ça peut pas être autre chose que du muscle propre. Par contre, la tumeur, elle arrive à proximité. A priori, on n'a pas d'infiltration du muscle par la tumeur, mais encore une fois, on ne sait pas comment est orienté le copeau. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un PT2, et pourtant, nous, on ne pourra pas vous répondre infiltration. Vous vous dites que ça arrive au ras et que c'est un PT1B minimum. Et pour ces cas-là, on aurait bien aimé avoir une orientation conservée du copeau. Donc, sur les résections en copeaux, les difficultés vont être à différents niveaux. Donc, le grade, en général, ne pose pas de problème, sauf lorsqu'il y a des artefacts d'électrocoagulation liés à la technique. Donc, j'entends les artefacts d'électrocoagulation sur la tumeur. Par contre, ce qui va nous poser problème de manière relativement fréquente, c'est la notion d'infiltration ou non du chorion. Comme je vous l'ai illustré, peut être très compliqué sur des résections en copeaux, dont on a perdu toute orientation avec des images de pseudo-infiltration. Ensuite, si on arrive à affirmer le caractère infiltrant du chorion, il restera à savoir quel est le niveau d'infiltration, puisqu'on sait que c'est pronostique. Or, sur des copeaux de résection, c'est parfois compliqué. Alors, des fois, on arrive à voir les gros vaisseaux, on arrive à voir des fibres musculaires un peu épaisses, et on essaye d'approcher le stade, mais c'est quand même assez compliqué quand on perd toute orientation. Et enfin, autre chose très importante, la nature du muscle et son infiltration ou non pour les stades PT2, comme je vous l'ai illustré, c'est les fameux stades qu'on appelle les PT1B minimum pour lesquels on ne peut pas répondre formellement sur les copeaux. Donc, toutes ces difficultés font qu'on est amené à faire des techniques complémentaires, donc des niveaux de coupe, donc on fait plusieurs niveaux pour avancer sur le prélèvement, des examens immunohistochimiques, en évidence le muscle, pour mettre en évidence les cellules carcinomateuses. Et de fait, le temps de lecture est parfois un petit peu long et de réponse pourrait être majoré par rapport à des résections monobloc. Donc, j'en viens aux résections monobloc. Donc, la prise en charge de résections monobloc qu'on a mis en place dans le service avec le professeur Malavo. Donc, les chirurgiens font des résections qu'ils vont ancrer en profondeur et qu'ils vont fixer sur des plaques de liège, un peu à la manière des mucosectomies digestives, pour ceux qui connaissent. Donc ça permet de garder vraiment l'orientation de la résection, de la mettre à plat pour éviter qu'elle soit abîmée en fait, par le formol, qu'elle se recroqueville. Donc là, je l'ai illustré ici. Voilà, après fixation formol, on a quelque chose de très plat qui va être facile pour nous à couper, alors que si elle n'avait pas été épinglée, elle se serait probablement recroquevillée en boule. Donc là, on a vraiment quelque chose de joli. Ensuite, on recoupe de manière parallèle dans le plus grand axe la résection, comme ils font en fait en chirurgie digestive. Et on va faire des tranches très fines qu'on va mettre qu'on va inclure en paraffine, donc sur la tranche. Donc sur la tranche, ça veut dire qu'on va le mettre de côté de manière à avoir de la profondeur à la surface. Et cette inclusion en paraffine, elle est rendue facile par la position d'encre aussi. Puisqu'il faut savoir qu'après fixation formol, souvent, les prélèvements n'ont plus aucune couleur et ne sont pas reconnaissables. Et c'est plus facile pour nos techniciens, quand une résection est ancrée sur la profondeur, d'orienter dans la paraffine le fragment. Donc ainsi, on se retrouve avec ce genre de résection. Donc, des résections anatomiques très bien orienté, avec de la profondeur à la surface. Alors ici, je vous ai montré une résection non épinglée, c'est ce qu'on faisait jusqu'à il y a un an dans le service. Donc ce qu'on a remarqué sur ces résections non épinglées, donc quelque chose de plutôt joli, hein, quand même, on a quand même une résection monobloc avec une bonne conservation d'architecture, et on observait ici, vous voyez, que la tumeur avait tendance à se recroqueviller, probablement liée au fait que le muscle se rétracte. Donc, on a mis en place ces épinglages. Et vous voyez ici, on observe quelque chose de bien droit, de très joli à analyser. Et ici, on voit bien ici la prolifération tumorale. On devine même à faible grossissement l'infiltration du chorion. On peut même dire qu'a priori, c'est une infiltration plutôt superficielle. On est au faible grossissement.
Ici, d'autres exemples, les carcinomes papillaires à développement endophytique qui sont terribles pour nous à analyser sur des copeaux de résection. Ici, un coup d'œil, un diagnostic, on suit la membrane basale sans problème. On sait que c'est un PTA non infiltrant. Ici, même façon. Donc, par ailleurs, on voit bien ici l'encre qui est apposée en profondeur contre le muscle. Le muscle est toujours en regard de la tumeur. Ça, c'est autre chose aussi qu'on observe pas facilement dans les RTV copeaux. On a souvent du muscle séparé de la tumeur. Alors, la résection monobloc permet, comme je vous l'ai dit, une mesure précise du niveau d'infiltration. En plus de nous faire gagner du temps, on va pouvoir mesurer de manière précise le stade d'infiltration, s'il a dépassé ou pas la musculaire muqueuse, et on va pouvoir mesurer l'infiltrant dans les deux axes en millimètres. Et on pourra même vous donner éventuellement une marge d'exérèse par rapport à la profondeur ancrée, on y reviendra. Donc voilà un autre exemple de résection monobloc pour lequel il aurait été compliqué de répondre probablement sur des copeaux de résection. Donc ici, une tumeur papillaire en surface, ici le chorion, ici le plan du muscle propre, et ici, on observait une infiltration du chorion, et notamment une infiltration ici de gros faisceaux musculaires qui, visiblement, au vu de l'orientation, correspondent à des faisceaux de musculaire muqueuse légèrement hyperplasique. Ça, c'est quelque chose, sur une résection monobloc, ça aurait pu être compliqué, possiblement, de faire la distinction entre du muscle propre ou de la musculaire muqueuse. Ici, sur la résection monobloc, il n'y a aucun doute, on est dans un stade PT1B avec une marge d'exérèse très large. Ici, un exemple de résection monobloc sur un PT2, donc tout est tumoral, tout ce que vous voyez en violet, c'est tumoral. Ici, on a le plan du muscle propre, donc une infiltration massive, et on voit la position d'encre ici, en profondeur. Donc là, on peut répondre sans difficulté que c'est un PT2, et surtout, on peut donner une notion d'exérèse incomplexe. Donc finalement, le point de vue du pathologiste sur la résection monobloc, comme je vous le disais, mon expérience à moi, c'est que ça n'a pour nous que des avantages. Ça permet de conserver l'architecture de la paroi vésicale, ce qui permet une inclusion et une orientation des prélèvements, ce qui est très précieux. Ça va faciliter la lecture, puisque dès le faible grossissement, on sait où aller regarder, où chercher l'infiltrant. Ça va améliorer le niveau de confiance dans le diagnostic. On va être assez sûr, beaucoup plus sûr de nous sur des RTV monobloc que sur des résections en copeaux. Ensuite, la rapidité de lecture qui n'est pas à négliger et de fait, le délai de rendu de résultats qui peut être plus rapide. Et enfin, la diminution du nombre de techniques complémentaires. On va moins épuiser le matériel, on prendra moins de temps pour faire le diagnostic. Enfin, plus en perspective, cette technique pour nous pose la question d'étudier la qualité d'exérèse, puisque actuellement on ne le fait pas, parce qu'on ne peut pas le faire sur des copeaux de résection, c'est évident, on ne peut pas mesurer une qualité d'exérèse. Et il serait probablement très intéressant dans le futur d'étudier sur ces résections monobloc si, en fonction de la marge d'exérèse, il est nécessaire ou non d'aller faire un second look, etc. Ça pourrait être très intéressant pour les tumeurs PTA et PT1 notamment, bon, puisque pour les PT2, l'attitude actuelle est la cystectomie. Donc ici, je vous ai mis un petit travail personnel sur mon expérience. J'ai repris une lecture de 80 cas de RTV, dont à peu près la moitié monobloc et l'autre moitié conventionnelle, que j'ai appareillé sur le stade et le grade. Et j'ai regardé un petit peu le nombre de techniques complémentaires qui avaient été nécessaires pour chacun. Donc, on observe qu'on diminue quand même drastiquement le nombre de techniques complémentaires sur les monoblocs. Le muscle est identifié à peu près dans les deux cas, on arrive à identifier du muscle. Par contre, dans les monoblocs, le muscle est toujours en regard de la tumeur, alors que dans les copeaux de résection, dans 50% des cas, vous ne savez pas, en fait, le muscle est sur un fragment séparé, on ne sait pas si finalement, nous, en tout cas, à Napat, on ne sait pas si c'est bien en face de la tumeur. Doute sur la nature du muscle, on en a beaucoup moins effectivement avec des monoblocs. Enfin, la stadification PT1A, B est pratiquement dans plus de 80% des cas est faisable sur monobloc alors qu'elle est finalement rarement faisable sur copeaux, de même que la mesure de l'infiltrant. Donc au total, ces résections monoblocs pour nous ça change tout, en fait. Ça change la pratique, la prise en charge des tumeurs de vessie et ça ouvre tout un champ en fait. Ça ouvre tout un champ sur votre prise en charge aussi pour la suite, notamment pour l'histoire de la qualité d'exérèse,
qui est quelque chose de nouveau qui pourrait être intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr Péricard. Je pense que là maintenant, on va enchaîner tout de suite avec la communication de Monsieur Malavou. Je pense qu'on peut y... Volontiers. Pour la présentation. Est-ce que vous voyez mon écran ? Non. Oui, c'est bon. C'est bon. Tout d'abord, je voudrais remercier Mme Péricard d'avoir aussi bien mis en valeur les avantages d'une technique dans laquelle je crois, parce que je crois que c'est pour l'urologue un vrai progrès, pour le patient quelque chose d'indispensable, et pour la collaboration avec les anatomopathologistes, qui a toujours été une des marques de fabrique de l'école toulousaine, un vrai atout. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de la dissection endovésicale. Je préfère ce terme à résection monobloc, parce que c'est une véritable dissection. Les chirurgiens aiment la dissection. Ils n'aiment pas beaucoup la fragmentation et la sorte de bouillie tissulaire que l'on obtenait avec les techniques antérieures. En 2002, Brosi, qui est un prof italien qui a beaucoup de talent et qui a surtout beaucoup de faconde, a publié cet article qui était un article majeur, puisqu'il montrait que dans des centres de référence, qui étaient tous des grands centres académiques européens, la proportion de patients qui récidivaient à 3 mois, c'est-à-dire en fait qui avaient eu une résection incomplète, variait de 1 à 7. C'est-à-dire qu'il y avait certains centres où il y avait 7 fois plus de patients présentant une récidive à 3 mois, tout en tenant compte du stade et du grade. Et en plus d'utiliser cette base de données, qui était une base de données des ORTC pour définir les critères de gravité qui sont aujourd'hui utilisés et recommandés par l'EAU, Brosi avait dit, c'est quand même assez curieux, peut-être que cette grande variabilité de récidive est due à la variabilité du geste chirurgical. Et la variabilité, comme c'est un garçon poli, il n'avait pas dit du geste chirurgical, mais du matériel utilisé pour la résection. Ça permettait de ne vexer aucun des grands professeurs qui avaient participé à cette étude passionnante. Quoi qu'il en soit, dès 2002, on savait qu'il y avait quand même des choses assez bizarres en matière de résection et vraisemblablement une variabilité dans la technique opératoire et dans le résultat opératoire. Alors, nous venons de publier dans European Urology cet article qui est en fait une revue de la littérature et qui compare les résections monobloc et les résections fragmentées classiques. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on observait que la résection un tout petit peu plus longue que la résection en classique, fragmentée, mais qu'elle diminue le risque de perforation, c'est-à-dire qu'en fait, par l'introduction de la dissection, on diminue les risques, c'est-à-dire qu'on augmente la sécurité du geste. Et en augmentant la sécurité du geste, on a des suites opératoires immédiates qui sont beaucoup plus simples, avec moins de saignements, moins de perforations. La question est donc, que faire pour promouvoir cette technique le plus largement possible dans la communauté urologique. Alors, Madame Péricard, vous avez déjà parlé et déjà montré toutes les limites qu'il y a à la résection fragmentée en puzzle tridimensionnel. Du point de vue de l'urologue, il n'y a pas de doute que la résection en bloc répond à des exigences de qualité. Et ces exigences de qualité, on les applique aux résultats histologiques, mais pour que les résultats histologiques soient fiables et qu'on puisse les utiliser en toute confiance pour la prise en charge de nos patients, il faut qu'on assure la qualité des spécimens que l'on réfère au pathologiste. Le pathologiste est un petit peu notre boussole, encore faut-il qu'on lui amène un matériel de qualité. Alors ce matériel de qualité, il a quand même la particularité de venir d'un organe complexe qui s'appelle la vessie, avec des zones dont la distensibilité est extrêmement variable. Il y a des
qui sont filles, comme le trigone, comme la région péricervicale. Il y a des jeunes qui sont extrêmement mobiles et relativement dangereuses, comme le dôme, puisqu'on est capable à ce niveau-là, on peut à ce niveau-là faire des perforations intrapéritonéales. Et cet organe complexe, dans un environnement qui n'est pas toujours amical, a aussi la particularité d'être très dépendant dans son architecture et dans son épaisseur de l'état de distension. C'est pourquoi, chaque fois que je parle de résection en monobloc, j'insiste sur les conditions de réalisation de ces résections expertes. Et l'une d'entre elles, et que je crois très importante, c'est le contrôle le meilleur possible de la distension vésicale. Alors, vous comprenez tout de suite que j'ai insisté sur les aspects techniques, parce que je crois que nous autres urologues, nous sommes très attirés par la technique et par les petits trucs et astuces. Je crois que le premier des trucs et astuces pour la résection en monobloc en toute sécurité, c'est de contrôler la distension vésicale. On le fait soit classiquement par l'élévation du sac dans lequel, du sérum physiologique, qui comporte le sérum physiologique, ou alors on peut utiliser des systèmes un petit peu plus sophistiqués que connaissent bien les gens qui font de l'endo-urologie du haut appareil, qui sont des pompes à pression qui permettent de maintenir une pression constante au niveau de la cavité vésicale, quel que soit le débit de fluide. Ça, c'est la pompe Rocamed. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas d'action, mais elle me permet, lors de mes résections monobloc, et en particulier les lésions du dôme, de ne pas dépasser une pression endovésicale de l'ordre de 70 mm de mercure. La vessie est donc un organe complexe. Cet organe complexe comprend, de mon point de vue, du point de vue de l'opérateur, trois zones. Une ligne de sécurité qui sépare le trigone et la zone péricervicale, où pour être tout à fait franc, quoi qu'on fasse, ça sera facile et ça se passera bien. Une zone qui est un petit peu plus ennuyeuse, qui est celle où on peut stimuler l'obturateur. Et quand on sait qu'on a une lésion qui est massive et que l'on veut réséquer dans cette zone bleue sur l'écran, eh bien, il faudra se préparer, en particulier en discutant d'un bloc obturateur avec l'anatomopathologiste. Et puis ensuite, une zone critique, qui est celle qui est ici dessinée en rouge, où l'on devra à la fois limiter l'hyperdistension vésicale, limiter les efforts de toux et de parole du patient, c'est là que l'anesthésie générale est supérieure à la rachianesthésie, et puis éventuellement bien maîtriser les techniques de résection monobloc. Et parmi les questions qui ont été posées aux urologues marocains, il y a effectivement, est-il sûr, est-il sans danger de réaliser une résection monobloc du dôme? Je crois que oui. En tout cas, je me sens plus en sécurité quand je le fais que quand j'utilisais autrefois la résection fragmentée un petit peu à l'aveugle. Alors, juste pour vous rappeler qu'une lésion de la face latérale peut entraîner une stimulation du nerf obturateur, que cette résection se fasse en résection monopolaire ou qu'elle se fasse en résection bipolaire. La résection bipolaire ou plasma kinétique réduit ce risque mais ne l'annule pas. En fait, il semblerait que la seule technique qui permette d'éviter toute stimulation du nerf obturateur pour les lésions de la face latérale soit en fait le laser interstitiel qui est en train de se développer. J'ai vu avec beaucoup de plaisir que certains de vos membres l'utilisaient régulièrement. En cours d'intervention, si on a une stimulation qui gêne la résection, je vous rappelle que l'objectif d'une résection de tumeur de vessie, c'est d'assurer une résection complète de qui ne sont pas contre le muscle, donc on ne peut pas tirer prétexte de la difficulté de la résection pour la rendre incomplète, pour accepter une résection incomplète. Eh bien, les urologues peuvent, en cours d'intervention, injecter de l'axilocaïne au niveau du trou obturateur, à peu près au niveau de la zone que l'on utilise pour le positionnement des bandelettes transobturatrices, afin de calmer la paroi vésicale et d'assurer une résection experte des lésions, y compris la face latérale. Donc, ayant un petit peu brossé le tableau général de la préparation à la résection monobloc, il faut revenir sur le principe. Et le principe de la résection monobloc, c'est en fait la dissection. Et la dissection endovésicale, elle est fondée sur la définition de plan de dissection. Or, la notion de plan de dissection, c'est la première chose que l'on apprend quand on arrive dans un service de chirurgie, quelle que soit la chirurgie. On cherche un plan de dissection. Et de ce point de vue, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet article au début de ma carrière, qui était un article d'un professeur, le professeur Held,
britannique, donc avec tout l'humour britannique, qui arrivait à la fin de sa carrière, disait qu'est-ce qu'il avait décrivé, ce qu'il avait appris du plaisir d'être chirurgien et du plaisir d'être chirurgien du rectum. Donc, s'il y a bien un endroit où la notion de plan de dissection a été développée en chirurgie digestive, c'est pour la chirurgie rectale. Et il disait, ben, finalement, c'est juste le plaisir d'un artisan qui fait bien son travail. Et pour bien faire son travail, le chirurgien doit accepter qu'il y a des tissus, reconnaître le fait qu'il y a des tissus différents, et donc il y a une mobilité entre ces tissus qui permet de définir des plans de dissection. Ces plans de dissection sont abordés de façon directe, une incision, une dissection sharp dissection, où il faut pour cela que l'on voit bien, on doit voir et on doit être bien éclairé. Et puis on peut développer, trouver les plans de dissection en tirant afin de les mobiliser et de trouver la zone de dissection. Eh bien, ces trois principes qui sont des principes que l'on reconnaît dans tous les gestes chirurgicaux, il n'y avait qu'une seule intervention dans le monde qui ne le respectait pas, c'était la résection classique des tumeurs de vessie. Donc, quand on retourne aux principes de base de l'art chirurgical, on doit se mettre en tête que la paroi vésicale est composée de plusieurs couches, c'est-à-dire que la base de la chirurgie vésicale, c'est l'histologie de la vessie, c'est la structure multicouche de la vessie. Il faut accepter qu'on abandonne la dissection que l'on faisait autrefois, qui était une dissection qui allait de loin vers soi, c'est-à-dire qui partait aveugle, pour faire une dissection qui est antégrade ou prograde, qui va de soi vers la distance, c'est-à-dire que peu à peu, on va développer des plans en les voyant bien, sous contrôle de la vue. Et il faut réinventer l'usage de l'anse de telle sorte que cette anse de résection devienne en fait une anse de dissection. Alors, pour ce faire, le chirurgien urologue qui fait une résection monobloc a une première décision à prendre. La première est de décider du plan de dissection qu'il veut développer. S'il veut rester très superficiel parce qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin, il fera une mucosectomie, il restera dans le plan du chorion. S'il veut faire une dissection standard, excusez-moi. Je savais bien que j'oubliais quelque chose, c'était d'arrêter mon téléphone. S'il veut faire une dissection standard, il ira dans le plan du muscle. Et c'est la recommandation, je vous rappelle que pour les recommandations de l'Association européenne d'urologie, selon celle-ci, on doit toujours avoir du muscle vésical, du muscle propre, du détrusor, sauf dans le cas très précis d'une lésion de bas grade et de bas stade qui récidive ayant déjà été diagnostiquée. C'est-à-dire que la résection superficielle sans muscle n'est acceptable et n'est recommandée d'ailleurs que dans le cas des PTA de bas grade qui ont déjà été résectés. Ou alors, on peut même, dans le cas de certains petites lésions T2 infiltrant le muscle, vouloir réaliser une résection la plus complète possible dans la perspective d'une conservation vésicale qui se développe actuellement sur la base de ce qu'on appelle la trimodalité, résection endoscopique agressive, chimiothérapie et radiothérapie, et qui, chez les patients fragiles, peut répondre à des situations délicates. Donc, ayant pris la décision d'aller soit très superficiel, soit très profond, soit au contraire de rester d'aller jusqu'au muscle propre, eh bien, on a utilisé cet outil magique qui s'appelle une anse de résection. Et si on la regarde bien, elle est composée de deux éléments différents. L'anse elle-même, qui est l'élément qui coupe et qui coagule, et les deux extrémités qui peuvent être utilisées pour pousser l'échantillon, pour le soulever et pour développer un plan de dissection. En d'autres termes, dans notre anse de résection, les ciseaux sont l'anse, proprement dite, alors que la pince sont les deux extrémités. Alors, j'aimerais maintenant, sur un petit schéma tout simple, voir avec vous comment cet instrument nouveau peut être utilisé d'une manière différente. Alors, il s'agit d'une lésion de la face postérieure de la vessie, donc cette espèce de mur qui est devant nous quand on rentre dans la cavité vésicale, et on sait qu'on a juste derrière la cavité péritonéale, et on n'est pas toujours très à l'aise pour effectuer une résection classique, ne serait-ce que parce que le geste d'aller de loin vers soi n'est pas
possible dans cette situation. Là, vous voyez donc un petit dessin. Sur ce dessin, on voit la tumeur, les vaisseaux. Le premier temps correspondra, je pense que vous voyez, correspondra à la coagulation des vaisseaux nourriciers. Le deuxième temps correspondra à une incision qui va se faire avec l'anse. Et vous allez voir comment. Incision dont la profondeur va dépendre un petit peu de ce que vous voulez. En général, dans cette localisation-là, on préfère rester dans le muscle et pas au-delà parce qu'on prend des risques. Une fois que cette incision est faite, on tirera parti de la distensibilité de la cavité vésicale en augmentant la pression, en augmentant le volume, ce qui va dégager la tumeur de la paroi vésicale proprement dite. Et ensuite, l'anse sera utilisée de façon un petit peu innovante pour dégager la tumeur petit à petit, toujours sous contrôle de la vue, avec une ablation qui se fait à la fin en monobloc. Alors, ceci correspond grosso modo au petit film que je vais vous montrer maintenant. L'anse arrive. On fait, vous le noterez, des coagulations, des sections en l'occurrence, qui sont des sections intermittentes. Ce qui fait que moi, je dis souvent que la résection monobloc, c'est bjit, 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 et ce n'est pas bjit, parce que si on fait bjit, on se retrouve dans la cavité péritonéale. Vous remarquerez qu'ici, c'est une résection qui se fait à l'anse bipolaire. Et cette résection à l'anse bipolaire produit des bulles. Alors, ces bulles sont voilà, là, on peut faire chercher un plan par une dissection mousse, voilà, en appuyant tranquillement dessus. L'avantage de la résection bipolaire, c'est qu'elle se coupe très, très bien. Ça saigne très, très peu. Et on doit prêter une attention toute particulière à l'absence de saignement parce que c'est de la dissection, c'est plus de la fragmentation, c'est plus de l'extraction un petit peu brutale des tumeurs vésicales. Et vous voyez que bjit, bjit, bjit est une association de section et de dissection mousse qui permet tranquillement, sans trop de risque, là voilà un passage en lumière bleue pour vérifier que la totalité de la tumeur soit enlevée, qui permet de retirer cette tumeur qui n'était pourtant pas dans une situation tout à fait simple. Voilà. Et on peut la retirer en monobloc. C'est important à la fin de l'intervention de la laisser accrocher un petit peu à la paroi vésicale afin d'éviter qu'elle ne flotte et qu'on la perde un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est le style, c'est une chirurgie emblématique, un exemple emblématique de la résection monobloc telle que l'on peut la pratiquer avec une anse bipolaire. Pour résumer, dans une résection classique, on utilise notre anse avec 1,5 degré de liberté, c'est-à-dire on va de loin vers soi et éventuellement on peut aller un petit peu en profondeur pour faire ce que l'on appelait une forme de coque de bateau, en particulier pour les résections de prostate. Tandis qu'ici, on va utiliser l'anse avec 3 degrés de liberté, axiale, transverse et coronale, et on pourra faire une incision ou bien une dissection mousse, exactement comme on le fait avec des ciseaux dans une chirurgie classique. Donc, de mon point de vue, la résection monobloc est un acte qui permet de donner libre cours au talent du chirurgien. Et libre cours à sa réflexion stratégique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement d'aller gratter quelque chose, c'est d'aller organiser la prise en charge de telle sorte que le résultat du point de vue du patient et du point de vue de l'anatomopathologie soit optimal. Alors moi, j'insiste toujours sur l'utilisation de la cystoscopie flexible dans les situations complexes parce que ça permet de faire l'inventaire de la totalité des lésions endovésicales et quand on en a plus d'une ou de deux ou de trois ou de quatre, de savoir par laquelle on va commencer. Quand moi j'ai commencé mon internat, on disait quand tu commences ta résection de tumeur de vessie, ça peut saigner, le sang ça tombe au fond de la vessie, donc tu as tout intérêt à commencer par les lésions du fond, comme ça si elles saignent un peu, ça ne t'empêchera pas de réséquer les lésions qui sont plus haut situées ou éventuellement au niveau du dôme. Ce n'est pas du tout le cas pour les résections en monobloc et pour les résections bipolaires, parce qu'on génère des bulles et les bulles gênent la vision du dôme. Donc, de façon un petit peu paradoxale, quand moi je suis en situation complexe, j'ai plutôt tendance à réséquer la tumeur la plus compliquée, surtout quand elle est au dôme, et à réserver les petites lésions à la fin. L'avantage de la résection plasmapikinétique, c'est qu'elle limite les saignements et donc elle assure une dissection correcte. La coagulation préventive des vaisseaux nourriciers se fait de façon très très simple et on choisit donc la séquence opératoire en fonction de la position des lésions et des bulles.
Voici une lésion que les urologues, j'espère, apprécieront. Voilà, donc c'est un patient qui avait plusieurs lésions récidivantes de bas stade et de bas grade. Et ces récidives étaient principalement au niveau du trigone. Et moi, quand je l'ai vu, là, vous avez une imagerie en bande étroite, NPI, qui montre clairement que c'est la partie terminale de l'urtère qui était malade. Donc, l'objectif de cette intervention, c'était d'assurer la dissection endoscopique et la résection du dernier centimètre ou centimètre et demi de l'urtère. On avait fait au préalable un neuroscan qui montrait qu'il n'y avait pas de lésion supérieure. Là, on commence par définir les marges de notre résection. Plus la résection est complexe, plus il est important au préalable de faire avec soi-même un contrat. Et ce contrat est de réséquer la totalité de ce qui est dans les pointillés que vous allez marquer dans la cavité vésicale. Et ça permet aussi d'éviter de se laisser entraîner par la résection monobloc, où on peut se retrouver à faire des résections très, très extensives, mais qui ne sont pas toujours nécessaires. Donc, on définit, on met des petits pointillés, et une fois que... Et là, on va falloir sectionner l'urtère à la fin. Vous voyez qu'on est passé dessous l'urtère et qu'on voit de la graisse d'ailleurs brillante un petit peu partout et que l'utilisation de la résection bipolaire précise, bien avec des artefacts de coagulation et de carbonisation qui sont limités, permet d'éviter d'avoir une sténose et d'avoir besoin de mettre en place une sonde double J. À peu près dans la même localisation, donc toujours une localisation très simple à réséquer, le trigone, une situation qui est tout à fait différente, puisque là, la lésion, au lieu d'être à l'intérieur de la partie terminale de l'urtère, elle est posée dessus. Donc, vous avez une lésion qui, sur l'aspect des franges, etc., pourrait être une lésion de haut grade débutante. Les franges sont un peu moins bien définies que pour une lésion papillaire. On définit les zones, on se met à 2-3 mm en aval et on va commencer une dissection. On définit la profondeur. Ce n'est pas assez profond, on va plus profond. Voilà. On voit bien où est l'urtère, on a vu le méa urétéral. Et on va peu à peu, par des sections intermittentes successives, bjit, 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 disséquer et au lieu de passer dessous l'urtère comme dans le cas précédent, l'objectif est de passer dessus l'urtère, c'est-à-dire de passer sur le toit de la gaine de Valdeia. Et vous voyez que la lance est utilisée à la fois pour couper, pour pousser, pour couper, pour pousser et que cela génère des bulles. Alors ces bulles sont ennuyeuses parce qu'elles ont tendance à être capturées par le bec du résecteur, de telle sorte que quand on fait une résection monobloc dans cette position au niveau du trigone, les bulles montent, il est important de rester un petit peu loin, de telle sorte que les bulles, de ne pas trop s'approcher de la tumeur, de pousser l'anse un petit peu loin, voilà, de telle sorte que les bulles ne soient pas capturées par le bec et vous gênent. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de saignement, on voit ce qu'on fait, on voit qu'il y a du muscle. Et quand on a fini, eh bien, on suit tranquillement notre plan de dissection et on enlève la pièce en monobloc. Celle-ci doit faire 1,5 cm. Je vous rappelle que les recommandations européennes disent que toutes les lésions, toutes les tumeurs qui font moins d'un centimètre devraient être réséquées en monobloc. On peut très facilement réséquer, mais vraiment très facilement, jusqu'à 2 cm, 2,5 cm. Quand c'est beaucoup plus gros que ça, ça ne pose pas trop de problèmes quant à la résection, mais ça pose des problèmes quant à l'extraction de la lésion, parce qu'on n'a pas encore, comme on vient de le publier à l'European Neurology, on n'a pas encore d'appareil parfaitement adapté à l'ablation en monobloc des pièces qu'on a pourtant réséquées en monobloc. Voilà. Donc, à la fin, vous avez la tumeur qui s'en va. Vous pouvez la réséquer facilement en la faisant rentrer dans le canal opérateur et à la fin de l'intervention, ben vous avez l'urtère qui est intacte et vous voyez, je l'espère, le relief de l'urtère dans sa paroi, dans son passage intravésical qui a bien été respecté. Donc, pour résumer, on recherche un plan de dissection, on fait une dissection sous contrôle à la vue, il y a une section intermittente, on utilise la dissection mousse et l'incision. Et on doit complètement repenser l'utilisation de l'anse
c'est un autre instrument. Il y en aura peut-être d'autres qui arriveront dans le futur, mais déjà avec celui-ci, on peut faire des merveilles quand on croit vraiment dans cette technologie. Les avantages donc, de la résection monobloc, du point de vue du chirurgien, c'est la dissection, c'est un champ opératoire qui est propre, c'est un spécimen qui est bien adapté à l'analyse histologique, ça permet d'évaluer du point de vue de l'urologue la qualité des marges optiquement, on n'a pas de carbonisation des berges et on réduit sans l'annuler le risque de stimulation du nerf obturateur. Alors, pour conclure et pour aller un petit peu plus loin, j'aimerais vous présenter une situation clinique réelle que nous avons partagée avec Mme Péricard qui aura la lourde charge de commenter les images. Alors, c'est un homme de 64 ans qui est fumeur qui nous avait été adressé parce qu'il y avait une résection qui avait été considérée comme incomplète d'un PTA de haut grade. Quand on a fait la fibroscopie préopératoire, et j'insiste sur cette fibroscopie, on s'est retrouvé dans une situation qui était tout à fait bizarre, où il y avait plus de 40 lésions disséminées dans l'ensemble de la cavité de la vésicale. La plupart d'entre elles étaient infracentimétriques, mais il y avait deux lésions prédominantes qui faisaient plus d'un centimètre de diamètre. Alors voici la coupe en hématoxylinéosine d'une de ces deux lésions. Et Sarah, je vais peut-être vous laisser commenter, si vous le voulez bien. Donc, on observe sur cette coupe... Il faut que vous réactiviez votre micro. Il est activé. Vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Vous m'entendez ? C'est bon. Donc on voit d'une part une lésion en surface... Donc, une lésion qui correspondait à du CIS, donc à faible grossissement, c'est un peu difficile, mais on avait des atypies cytonucléaires marquées sur un revêtement plan et on observait une colonisation, visiblement, des îlots de ventre brune, avec des îlots un petit peu plus loin situés, probablement liés à des plans de coupe et reliés à la surface. Chose intéressante, on observait en profondeur une infiltration, un carcinome infiltrant, qui infiltre au minimum ici la musculaire muqueuse, en tout cas c'est ce qu'on peut dire sur ça, et ce qu'on voit ici c'est du muscle propre, donc visiblement le plan du muscle propre a l'air d'arriver à proximité de la tumeur alors même qu'on ne la voit pas infiltrer directement. On observe aussi ici la marge ancrée en noir ici passe au contact du carcinome infiltrant. Donc je vous laisse passer à la diapo suivante. Donc, pour mettre en évidence le muscle, on a fait une immunohistochimie anti-Caldesmon, c'est un marqueur des fibres musculaires lisses, et on observe quelque chose de très intéressant, c'est que en fait, il y a également du muscle ici, on voit bien la différence entre la partie musculaire muqueuse en haut, et finalement, cet îlot musculaire, il est situé en dessous, enfin dans le plan du muscle propre. Donc là, on peut conclure sur cette RTV monobloc, il s'agit d'un PT2, d'un carcinome infiltrant le muscle propre. Ce qui aurait été probablement difficile, encore une fois, sur une RTV conventionnelle qui aurait pu emporter que ce fragment sans avoir l'architecture avec le reste. Donc ici, mise en évidence du carcinome in situ par l'anticorps anti-CK20 qui va marquer sur toute la hauteur l'épithélium et le carcinome infiltrant qui a un phénotype un peu différent qui est CK20 négatif qui se voit. Parfait. Merci. Voilà, donc là j'arrive au terme de ma présentation. Une fois que j'aurai cliqué sur cette diapositive, pendant la période des questions, vous aurez un petit film sur une résection complexe qui dure plus longtemps que les petits clips que j'avais mis dans ma présentation. Et juste pour vous dire que dans le cadre du Congrès européen d'urologie, le 26 juillet, je participe avec le professeur Witches à un cours sur le bladder cancer. Et que, bien entendu, infiltrant et non-infiltrant, et que chacun, bien entendu, sera très chaleureusement accueilli à l'occasion de ce cours, de ce webinaire. Voilà, donc je passe maintenant sur un clip, mais ce clip n'a d'intérêt que de susciter des questions et de me permettre de répondre à vos questions. Voilà. Monsieur Benani, n'hésitez pas à me dire, à poser des questions ou à faire quelque chose, parce que sinon j'arrête le clip. Et... Non, vas-y Bernard. Voilà. Bon, ben donc en fait, bon, vous avez compris que c'est une re-résection. Pour les résections monobloc, en fait, la résection monobloc d'une lésion de 2 cm du trigone
il faut le faire, parce que c'est facile à faire, c'est très satisfaisant, et c'est un excellent moyen de devenir complètement drogué à la résection monobloc. À l'inverse, il y a des situations qui sont des situations infernales. Et dans les situations infernales, je vais être franc avec vous, c'est la deuxième résection après une résection d'un PT1-G3, par exemple. Et quand on nous dit qu'il faut les re-réséquer dans les, je crois que c'est 2 à 8 semaines après, en fait, on réintervient dans une zone qui est cicatricielle, et on le sait tous, les zones cicatricielles, elles ont perdu leur plan de dissection. Et donc, quand on fait une re-résection d'un T1-G3 déjà réséqué, on est obligé de passer plus profond que la zone de résection initiale. Donc, la re-résection d'un T1-G3, c'est, à mon avis, la situation la plus délicate. Voilà. Et c'est le cas ici. On voit bien que cette cicatrice est un petit peu ancienne. On voit bien qu'il y a des lésions inflammatoires qui sont en surface. Et on voit bien que la résection, pour être correcte, on voit d'ailleurs une muqueuse qui est PDD, qui se décolle facilement, ce qui est très évocateur d'un carcinome in situ. Et on voit bien que d'aller réséquer ça en toute confiance pour aller en profondeur, ça va être compliqué. Le cas qui a été tout à l'heure commenté par le docteur Péricard a bien montré que ce n'est pas toujours en surface qu'on a les problèmes quand on est dans ces situations complexes. C'est souvent en profondeur. Et quand on vous réfère un patient qui a été réséqué dans un autre centre, vous ne savez pas bien comment ça a été réséqué, et on vous dit, bah, écoutez, c'est du haut grade, faites ce que vous pouvez, eh bien, il faut accepter de prendre le petit risque de passer très profond et pas de faire juste un petit copeau en surface qui sera, lui, souvent négatif et souvent cicatriciel, alors que le problème est parfois plus en profondeur. Donc, il faut définir, on a donc marqué en périphérie les zones d'intérêt, et ensuite, il faut définir quelle est la zone que l'on veut, la profondeur que l'on veut avoir. Alors, vous le voyez, pour ces re-résections, c'est important de commencer plus loin que la cicatrice, c'est-à-dire dans une zone qui est saine, puisque vous cherchez un plan de dissection et qu'il n'y a pas de plan de dissection dans la zone cicatricielle. Là, vous voyez qu'on utilise l'extrémité bleue de l'anse pour pousser et pour soulever en même temps, et on utilise l'anse, bjit, 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 comme des ciseaux, comme vous feriez avec des ciseaux et des pinces en cours d'intervention. Donc, l'avantage d'utiliser une pompe à dépression, c'est qu'on n'a pas besoin de vider, de remplir la cavité vésicale tout le temps, et que le volume, l'image, tiens, là on voit quelques dépôts d'hémosidérine qui témoignent en noir, qui témoignent de la résection antérieure. On utilise bien entendu l'eau pour soulever les plans. Vous voyez, là j'ai défini la zone qui m'intéresse. Petit à petit, je vais pousser et continuer ma dissection. Et comme il y a du muscle, là on voit très bien que la graisse est très très proche sur cette image, et comme il y a du muscle, petit à petit, l'échantillon se ratatine au centre, ce qui fait qu'à la fin, on sort un échantillon qui fait 2 cm², et quand on regarde dans la cavité vésicale, on en réséqué 10 cm², 5 fois plus que ça, en surface. Voilà. Donc, c'est ça le principe de la résection monobloc, de chercher un plan, de le suivre patiemment par des petits coups délicats qui permettent de faire en toute sécurité des gestes qui sont d'une certaine complexité. Peut-être que mes collègues urologues ont envie de commenter, parce que j'ai un peu l'impression d'être le seul à parler, ça ne va pas du tout. Professeur Benani. On t'écoute, Bernard, et voilà, on discutera après. D'accord. Ce que tu fais est très, très, très intéressant. Voilà. Là, vous voyez le noir, là, c'est de l'hémosidérine. Et maintenant, on va véritablement disséquer. Voilà, et ces petites taches noires, là. Et là, on voit que pour faire une résection correcte, on est obligé de passer dessous et, en fait, au contact de la graisse vésicale. Et l'autre élément qui est important, je pense que pour les anapathes, c'est vraiment essentiel, c'est qu'il faut éviter autant que faire se peut d'utiliser la coagulation. La section bipolaire induit des lésions, des artefacts de coagulation qui sont très modérés. La coagulation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans l'utilisation classique d'une anse de résection. C'est quelque chose de nouveau. Et à partir du moment où on commence à jouer avec quelque chose de nouveau,
je vous avoue que moi, ça fait des années que je n'ai pas fait de résection classique de tumeur de vessie, sauf dans une situation, c'est quand vous avez une lésion qui est très, très volumineuse et que vous savez très bien que vous pouvez la réséquer en monobloc, mais qu'une fois que vous l'aurez réséquée, vous ne pourrez pas la sortir. À ce moment-là, c'est une bonne idée de dégager la partie superficielle avec une résection classique, de la fragmenter, mais là, le but, c'est simplement de réduire le volume et de faire à la fin une résection monobloc de la base d'implantation qui permettra d'avoir le stade en toute sécurité, le grade ayant été défini par ce que vous avez défini au préalable. Voulez-vous que j'arrête ce clip pour qu'on aborde non, tout non, de suite Continue, Bernard. Voilà, bon, ben alors, à partir du moment où on a compris, ben on continue à faire des bits, tous ensemble, là, et on s'aperçoit que petit à petit, cette lésion va se retrouver centrée sur la partie la plus profonde de la cicatrice, avec toujours un plan de dissection. On suit toujours un plan de dissection, ce qui se voit bien sur la vessie elle-même. Vous voyez, si vous suivez la vessie, si vous regardez la vessie ici, là, sur, je ne sais pas si vous voyez là, on voit bien que c'est le même plan. C'est par exemple très très intéressant quand on fait une résection monobloc d'identifier un trousseau de fibres musculaires. Ce trousseau de fibres musculaires est au bon endroit. Et bien, tant que vous resterez dessus le trousseau de fibres musculaires que vous pouvez suivre, vous ne perforerez jamais puisque le trousseau de fibres musculaires va vous montrer le chemin. Et bien, voilà. Tandis que là, à l'évidence ici, là, à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez ma... Eh bien, on est en train de sortir de la cavité vésicale parce que la cicatrice est profonde et que c'est ce qu'il faut. Alors, voilà, je crois que là, tout le monde a à peu près, tout le monde a compris que c'est une succession, c'est toujours le même geste. C'est je regarde, je soulève, je bjite. Je regarde, je soulève, je bjite. Et je progresse comme ça, tranquillement, jusqu'à ce que... Tiens, là, vous voyez, on voit très bien qu'il y a quelques... Regardez, ici, là, on peut faire une coagulation spécifique de ces petites artérioles, là, tac, 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 et puis après, continuer, d'ailleurs, pas complètement spécifique, mais... Et après, continuer en toute sécurité la dissection. Voilà. C'est toujours embêtant d'enlever des gros échantillons. Celui-là, il est relativement volumineux. J'espère que Sarah acceptera que c'est quand même une pièce de... Et vous, Madame Elmansouri, que c'est une pièce qui a une certaine taille. Quand on l'a enlevé, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'on n'a pas encore de système de récupération de ces gros échantillons. Et on a de temps en temps le malheur de devoir fragmenter pour pouvoir le sortir quelque chose que l'on a enlevé en monobloc. Alors là, on perd un peu l'intérêt du point de vue de la napate, mais on garde pour le patient le bénéfice de la sécurité du geste. Et là, vous avez le champ de résection qui est quand même assez volumineux. J'aime beaucoup, à la fin de l'intervention, faire une coagulation sans toucher la paroi parce qu'elle évite les effets de stimulation de l'obturateur et elle est remarquablement efficace. Voilà. Et à la fin... J'ai toujours tendance à coaguler sur environ 5 mm à peu près de diamètre les berges de la lésion parce qu'on sait qu'il y a un effet de champ et que souvent on a des récidives sur le. Voilà, je pense qu'on en a assez vu de tout cela. Je suis prêt maintenant à répondre à vos questions ou à reprendre ou à discuter des réponses du questionnaire que tu avais organisé, Mostafa. Alors, c'est Dahami. Si vous permettez, merci infiniment, professeur Malabo, pour cette brillante présentation. Est-ce qu'on arrive à voir Bon, moi je vous vois. D'accord. Alors, moi, j'ai toujours votre présentation sur mon écran. Ah. Alors, je vais faire arrêter de partager. Voilà, je ne partage plus. Exactement. D'accord. Voilà. Merci infiniment, professeur Malabo, pour cette brillante présentation ainsi que ces films assez intéressants qui vont sûrement susciter beaucoup de discussions et
et changer notre manière de faire et notre pratique quotidienne. Nombreux sont ceux actuellement qui utilisent ces techniques de résection en monobloc grâce à l'anse, la résection bipolaire. Et vraiment, c'est intéressant parce qu'on reprend notre habitude de faire et de réaliser une dissection carcinologique quasiment d'un organe, comme si on allait faire une prostatectomie radicale ou une néphrectomie élargie ou une cystoprostatectomie. Okay. Maintenant, on commence à respecter la tumeur du lycée. Quand on veut enlever la tumeur en monobloc, tant mieux pour nos patients et aussi pour nos anatomopathologistes. Et donc, avant de passer aux questions, docteur Mcherki voudrait présenter un petit film de 2 minutes, si vous le permettez. Puis juste après, on passera aux différentes questions posées par nos participants. Moi, je voudrais donc partager l'écran. Petit Sam, est-ce que je peux partager l'écran? Oui, docteur Mcherki, c'est bon. Vous le voyez? Petit Sam, oui. Vous le voyez? Oui, oui, docteur Mcherki. Alors, vous me donnez. Vous voyez? C'est bon, petit Sam? Alors, c'est bon, docteur Mcherki. Oui, c'est bon. Moi, ce que je veux, c'est juste, si vous voulez, c'est relancer le débat sur un sujet qui pose trop de questions. Et au cours de la préparation de ce webinaire, donc j'ai consulté les confrères et ça a suscité beaucoup de discussions. Et là, je tiens à remercier beaucoup de confrères qui ont joué le jeu. Et au cours de cette période de préparation, ils ont utilisé de la monopolaire pour le monobloc. Et donc, c'est pour avoir une idée sur l'intérêt, la faisabilité de la résection monopolaire en monobloc chez nous, en sachant que il n'y a pas partout de la bipolaire. Donc ça, c'est important. Et donc, ça a suscité des questions importantes. La première, c'est: y a-t-il une différence d'énergie entre bipolaire et monopolaire? Le premier point pour Bernard. Y a-t-il une place de la résection monopolaire pour le monobloc? Et puis, si oui, y a-t-il un risque par rapport à la bipolaire? Ça aussi, c'est un point fondamental. La place, c'est une question à qui tu as déjà répondu, donc Bernard, la bipolaire pour les grosses tumeurs. Et puis, l'impact sur le résultat de l'anapathe, c'est-à-dire l'intérêt de la bipolaire pour une meilleure étude anatomopathologique, donc de la pièce, et qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à la monopolaire, s'il y a un intérêt. Et donc, moi, je pense que je remercie le docteur Ziozio, que j'ai oublié tout à l'heure de remercier, pour le questionnaire qu'il a donc envoyé aux différents urologues. Et je te laisse, Bernard, analyser donc le questionnaire. Alors, merci de cette confiance. Je vais peut-être déjà répondre, parce qu'il nous reste 30 minutes, donc on aura le temps de couvrir le questionnaire. Je vais peut-être répondre à la différence entre monopolaire et bipolaire. Je pense que l'essentiel dans la résection monobloc, ce n'est pas qu'elle soit bipolaire ou monopolaire. C'est la technique. C'est l'énergie qui est utilisée. Ce qui est essentiel, c'est de respecter le fait que c'est une dissection, c'est-à-dire qu'on choisit un plan de dissection, on ne se le fait pas imposer par la tumeur, on le choisit nous-mêmes, on le suit sous contrôle de la vue, donc c'est une dissection qui se fait de façon antégrade et jamais de façon rétrograde, et on l'a fait en utilisant la section et le développement de plan. Alors, c'est peut-être dans le développement du plan que la bipolaire a un petit avantage, c'est que quand on analyse l'épaisseur de coagulation avec la bipolaire par rapport à la monopolaire, il semble que la monopolaire détruise les tissus sur 300 microns, c'est-à-dire un tiers de millimètre. C'est un petit peu plus profond avec la résection monopolaire classique. En d'autres termes, la résection monopolaire classique, elle colle un petit peu plus les tissus que ne le fait la bipolaire.
Bon, peut-être qu'il y a une grande subtilité pour trouver le plan quand on fait du monopolaire, quand on fait du bipolaire, où c'est absolument évident, les tissus ne sont pas collés, le sérum physiologique rentre dedans, les soulève, c'est vraiment facile. Mais je crois que pour les gens qui ont de l'expérience, et la vidéo que tu viens de nous montrer le montre brillamment, on peut tout à fait faire des résections en monobloc avec une monopolaire. Certes, il y aura des difficultés pour définir le plan, mais les principes de dissection sont les mêmes et l'avantage démontré du monopolaire par rapport à la bipolaire n'existe pas, ou du bipolaire par rapport au monopolaire n'existe pas vraiment. Il y a un petit avantage sur la stimulation du nerf obturateur, il y a un petit avantage sur les pertes sanguines de façon assez surprenante, mais je préfère qu'on retienne que la bipolaire n'est pas impérative pour le développement de la résection monobloc. Parce que je crois qu'il y a tellement d'avantages à réaliser des résections monobloc. Et les gens qui ont l'habitude de leur résecteur monopolaire ont tellement de talent et d'expérience que les petits désavantages du monopolaire par rapport au bipolaire seront facilement surmontés. Donc, n'hésitez pas à utiliser le monopolaire pour vous vous sentez à l'aise. Et surtout, pour commencer les résections monobloc, commencez par des résections, comme ça a été montré ici, ça c'était une lésion du trigone. Commencez par une lésion du trigone qui fait 1,5 cm, qui est bien papillaire, bien exophytique. C'est plus facile de résecter des lésions bien exophytiques parce qu'il est plus facile de les soulever avec le bec du résecteur que des lésions qui sont planes et de petite taille. À la limite, c'est peut-être plus compliqué de résecter une lésion plane en monobloc que de résecter une lésion de 1,5 cm. L'idéal pour asseoir son expérience en matière de résection monobloc, c'est la lésion de 1,5 cm du trigone ou du bas-fond vésical. Là, c'est un vrai bonheur. Est-ce que ça répond à ta question, Moustapha ? Oui, oui. Alors, je dois maintenant repartager l'écran pour aborder avec vous le questionnaire que vous avez réalisé dans le cadre de l'Association marocaine d'urologie. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah non, vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage son écran. Moustapha? J'ai arrêté. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait? Je vais recommencer. Tissam? Non, voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. L'affichage, plein écran. Voilà. Est-ce que vous voyez là votre questionnaire ? Oui. Très bien. Oui, excellent. C'est bien. Alors, mini-enquête. Bon, là, moi, je ne suis pas président de l'AMU, donc je pense que c'est plutôt le président de l'AMU qui devrait tirer gloire d'avoir pu organiser ce questionnaire, d'avoir invité 177 urologues avec un taux de participation tout à fait intéressant de 21%. J'ai trouvé très, très positif et témoignant de l'intérêt des urologues pour tout ce qui est innovant, de voir que la majorité des urologues utilisent en tout ou partie les techniques de résection monobloc dans leur pratique, avec 83,8% qui pratiquent la résection monobloc. L'énergie, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas le bipolaire, mais finalement le bipolaire arrive à parité avec le monopolaire. Le laser, je ne sais pas qui chez vous a un laser interstitiel et l'utilise, mais ils ont beaucoup de chance parce que ça, je crois que c'est vraiment une voie d'avenir et qui permet dans la littérature, y compris de réaliser des cystectomies partielles, donc des résections transmurales de tumeurs de vessie, avec toujours la réserve que l'extraction de la pièce, une fois qu'elle a été obtenue, est parfois délicate. Est-ce que on voit ici que chacun est réticent à l'idée d'aller réséquer au niveau du dôme? Alors, la notion de dôme vésical pour les urologues, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué parce qu'on confond souvent la face postérieure de la vessie, la petite tumeur que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était une face postérieure de la vessie, la face antérieure. Et finalement, le dôme, c'est la réunion de la face postérieure et de la face antérieure. C'est là où se bloque la bulle quand on fait notre résection, la fameuse bulle. Donc, il n'y a pas de grosse réserve à aller réséquer une lésion du dôme vésical.
soit qu'elle soit en fait au niveau de la face antérieure, c'est comme au niveau du trigone, mais ça se fait en avant, soit qu'elle soit au niveau de la face postérieure, et c'est la petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Ce qui est embêtant au niveau du dôme, c'est la bulle, en fait, en monopolaire. Parce que assez rapidement, on perd dans la multiplicité des bulles qui sont générées par les bursts d'énergie que je vous ai montré tout à l'heure, on perd l'adhésion. Et là, il est souvent utile de faire une rotation du patient le long de son axe, de telle sorte que la bulle, par exemple, aille à droite, et que nous, on puisse réséquer une lésion qui serait située sur la partie gauche du dôme vésical. Donc, est-ce qu'il y a des limites? Non. Est-ce que c'est plus dangereux? Oui. Est-ce que je déteste faire des re-résections de T1, G3 du dôme? Oui, clairement, parce que c'est là que mes coronaires sont le plus mises à contribution. Ça répond à ta question, Mustapha? Oui, oui. Quelle est la limite de taille au-delà de laquelle vous renoncez à une RTUV en monobloc? Bien, il y a 15% des urologues qui ne voient aucune limite, et je crois qu'ils ont raison. La difficulté que l'on a, c'est toujours la même. C'est l'extraction de la pièce une fois qu'on l'a réséquée. Mais on ne doit pas se priver du bénéfice en termes de sécurité pour le patient et de qualité de résection de la résection monobloc du fait de la taille. On peut éventuellement fragmenter la tumeur, dire bah, finalement la lésion fait 5 cm, je n'arriverai pas à la faire passer par mon résecteur. Soit je résecte la partie superficielle que j'envoie séparément, puis après je fais une résection monobloc de la profondeur, et à ce moment-là, j'aurai la capacité de le ressortir. Soit je la sectionne d'emblée, je dis ben finalement, je vais couper au milieu au départ, de telle sorte que j'aurai deux échantillons que je pourrai adresser de façon séparée. Cette limite de taille devrait disparaître, comme je vous l'ai dit, dans les deux ans qui viennent, car il y a plusieurs laboratoires actuellement qui cherchent à développer des résections, des endobagues de vessie, en particulier dérivés des endobagues qui sont utilisés pour enlever les corps étrangers au niveau des bronchoscopies. Donc, il y a déjà disponible des sacs d'extraction de petite taille qui peuvent rentrer par les endoscopes. Ils n'ont pas leur autorisation de mise sur le marché pour cette application-là. Et tout le travail actuellement, c'est de les transférer dans le domaine urologique. Donc, pour conclure sur cette diapositive qui est vraiment importante, toutes les lésions de 1 cm, il ne faut pas hésiter. C'est même les recommandations européennes en tout cas. Jusqu'à 3 cm, ce n'est pas difficile de les sortir. On peut le faire en les agrippant avec l'anse et en les sortant à l'intérieur de la chemise extérieure de l'endoscope. Il ne faut pas sortir la pièce sans la chemise extérieure parce qu'on serait en train d'écraser une tumeur tout au long de l'urètre et donc on aurait un risque d'ensemencement. Les lésions de 5 cm et au-delà, honnêtement, c'est compliqué. Ça demande de les fragmenter. C'est plus facile de les fragmenter avant qu'elles soient complètement réséquées, parce que quand elles sont complètement réséquées, de fragmenter quelque chose qui flotte dans la vessie, ce n'est pas facile. Et donc, c'est affaire de stratégie. Auriez-vous eu des complications de la RTUV en monobloc? Bien, là, on a la majorité des gens qui n'en ont pas vu. J'avoue que la notion de douleur après ablation de la sonde vésicale, ce n'est pas quelque chose que je connaissais. Les saignements, comme je vous l'ai montré dans le papier que nous venons de publier dans European Urology, sont moindres avec la résection monobloc qu'avec la résection fragmentée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de saignement. Et je crois qu'il y en a peut-être un peu plus souvent avec les résections bipolaires qu'avec les résections monopolaires. Ces résections monopolaires ont cet effet de carbonisation des marges qui est très intéressant pour le contrôle de l'hémostase. Quant à la perforation, ben c'est vrai que si vous allez re-réséquer une lésion T1-G3 du dôme, ben il y a un vrai risque de perforation. Mais c'est la seule perforation qui compte, parce que de perforer, de faire une résection transmurale d'une lésion sous-péritonéale, c'est-à-dire qu'à la fin de la résection, vous voyez de la graisse, pour être tout à fait franc, c'est parfois mon objectif, en particulier quand je cherche à réséquer un T2, un cancer infiltrant le muscle, dans une perspective de conservation de l'organe. Et là, il y a une place qui est importante pour l'imagerie médicale. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs articles sur l'IRM de vessie. L'IRM de vessie ne doit pas être appliqué de manière indiscriminée dans le cancer de vessie. Mais quand on a un petit T2, c'est-à-dire une tumeur qui est
avec l'œil de l'urologue expérimenté, on sent être un début d'infiltration du muscle vésical. Eh bien, avant de faire la résection, c'est-à-dire avant d'avoir les artefacts dus à celle-ci, c'est bien de demander une IRM avec une vessie à demi remplie, 150-200 ml, de telle sorte que l'on sache où est l'infiltration, quels sont les rapports de cette infiltration avec des organes à risque, c'est-à-dire en fait principalement avec les vaisseaux et avec le péritoine. Et quand on n'a pas de limite et pas de risque particulier, je ne vois pas pourquoi on devrait être malheureux d'avoir fait une résection transmurale complète d'une forme débutante dans la perspective d'une conservation vésicale. Bien entendu, ce n'est pas utile si l'option après est la cystectomie. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de se casser la tête, il suffit de montrer que le muscle est envahi. Est-ce que vous réalisez une hypope associée à la RTUV en monobloc? Ceux qui ont répondu oui ont raison. Les indications d'hypope sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une résection monobloc ou d'une résection fragmentée. Et on sait qu'il ne faut pas faire d'hypope, notamment avec la mitomycine, quand on voit abondamment la graisse périvésicale, car il y a un risque d'extravasation et de complications. Donc, vous gardez les mêmes règles que celles que nous gardons, les mêmes règles que celles que nous avions avec la résection classique. Si on voit de la graisse en abondance après la résection que l'on a faite, résection qui est ambitieuse et qui avait pour objectif d'enlever la totalité de la tumeur, il ne faut pas faire d'hypope, mais s'il faut faire une hypope, parce qu'on peut la faire, il faut la faire. Quels sont les avantages que l'on attend d'une RTUV en monobloc? La vision du muscle, ben, à juste titre, la majorité ou la quasi-majorité des participants l'ont cité. C'est vrai qu'on voit le muscle, on voit les faisceaux musculaires lorsqu'on fait une résection en monobloc, et quand on transfère cette information vers l'anapath, l'anapath confirme qu'il y a effectivement du muscle et qu'on a bien répondu au contrôle de qualité d'une résection. Il y a moins de récidives sans traitement adjuvant. Alors, dans l'essai, et moins de récidives si traitement adjuvant est bien conduit, dans le papier qu'on vient de publier dans European Neurology, la méta-analyse ne montre pas de bénéfice en termes d'absence de récidive à 3 mois, 12 mois et 24 mois. On a toujours une tendance qui favorise le monobloc, mais on n'a pas de preuve, en tout cas pas dans notre étude, que le monobloc permet de limiter les risques de récidive. Là encore, c'est un sujet qui est compliqué. Et il est compliqué parce que la monobloc permet d'avoir, ça j'en suis absolument certain, une meilleure définition du stade. Donc, dans la mesure où j'ai une meilleure définition du stade, je définis mieux aussi mes indications d'instillation de traitement conservateur ou au contraire de cystectomie. Donc, ça me semble un petit peu spécieux, un petit peu inexact de vouloir comparer l'efficacité du monobloc à l'efficacité de la résection fragmentée en termes de récidive à 3 mois et 6 mois, parce qu'en fait, l'information qui porte l'indication de traitement adjuvant n'est pas de la même qualité dans les deux bras. Croyez-vous que la RTUV en monobloc réduirait les indications de la RTV en deuxième bloc? Alors là, oui, clairement oui. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une thèse qui sera soutenue au mois d'octobre prochain à Toulouse, qui montre que, par le docteur Lesourd, qui montre que les résections, quand on fait un second look après une résection monobloc et que les marges, comme on vous l'a montré, sont ancrées, sont négatives, eh bien, elles n'étaient pas utiles. Et donc, on peut se priver, on peut s'éviter une intervention qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, est une intervention qui est assez stressante dans certaines localisations. Voilà, et donc il nous reste 10 minutes et je suis avec le docteur Péricard à votre disposition pour répondre à quelques questions que ce soit. On a plus de 10 minutes, plus de 10 minutes. Ah ben, encore mieux. Okay. Il y a plein de questions, il faut poser les questions, il y a les questions. D'accord. Donc je remercie déjà nos deux experts pour la qualité de leur présentation et j'ai quelques questions pour notre expert anapath. Donc, première question, est-ce que la dissection en monobloc des tumeurs vésicales, elle permet d'éviter les sur-stadifications et les sous-stadifications? Docteur Pica. Certainement, oui. Donc, selon votre expérience? Surtout, à mon avis, oui. Selon mon expérience, bon, après, c'est difficile de comparer. Comme disait M. Malavo, c'est difficile de comparer
des cas entre eux, puisque ce n'est pas les mêmes patients, ce n'est pas les mêmes maladies. Mais ce qui est certain, c'est qu'analyser des RTV monoblocs, ça permet de progresser aussi sur les RTV conventionnels. Et je pense, je me suis rendu compte, moi, que probablement qu'on sous-stade un peu les RTV conventionnels, parce qu'on est un peu plus frileux sur les RTV conventionnels, parce qu'on connaît ses limites et qu'on ira moins facilement à l'infiltration, on ira moins facilement à l'infiltration du muscle ou l'infiltration profonde, parce qu'on reste prudent. Sur une RTV conventionnelle, c'est le dogme. Restez prudent, on achète les infiltrations que si elles sont évidentes et que si tout le monde est d'accord, c'est plus compliqué. Alors que sur les monoblocs, comme vous l'avez vu, l'architecture elle est tellement évidente qu'on n'a pas de doute sur l'infiltration. Donc je pense qu'on sous-stade plus facilement sur les RTV conventionnelles que sur des RTV, sur les RTV conventionnelles que sur les monoblocs. Merci. Docteur Appel, mon collègue. Alors, une autre question de la part du professeur Bredouane, mais je vais l'expliciter un peu plus. Il nous demande, est-ce que la résection en monobloc trouve son intérêt dans les tumeurs urothéliales? Moi, j'irai un peu plus loin. Est-ce que la résection en monobloc est utile dans les histologies particulières, hein, par exemple, avec les variantes en I, etc. Et les particularités de cette résection en monobloc par rapport au vis-à-vis de la classification TNM, c'est-à-dire il nous faut un continuité lésionnel, est-ce qu'on peut en parler aussi? Voilà. Alors, c'est une très bonne question, notamment pour la variante en I. Effectivement, je dirais que la résection monobloc serait même indispensable pour faire le diagnostic de ces variants qui, comme vous le savez, sont un petit peu compliqués puisque par définition, un carcinome en nid, c'est un carcinome qui est très peu atypique et dont on ne peut poser le diagnostic que si les nids sont dans le muscle. Et on peut imaginer que c'est beaucoup plus délicat de faire ce diagnostic quand on n'a pas donc ces nids dans le muscle sur une RTV en copeaux, bouillie, où on ne sait pas où on est. Par contre, sur une RTV conventionnelle où on peut voir de la surface à la profondeur, on pourra suspecter au moins ce diagnostic. Et l'évoquer, ça c'est très intéressant comme question parce que c'est vrai que c'est une des grandes peurs de la napate, le carcinome en nid, et c'est vrai que la résection monobloc pourrait résoudre une grande partie de nos insomnies sur le carcinome en nid. Pour ce qui est des autres variants, il y a l'intérêt de la résection monobloc pour distinguer les différents variants, pas forcément. Pour les autres variants, on arrive à en faire le diagnostic sur les conventionnels à condition, sous réserve des artefacts d'électrocoagulation, c'est toujours pareil. Mais après, on n'a pas forcément besoin d'une RTV monobloc pour voir différentes variants qu'on voit sur les copeaux. Alors, merci. Par rapport à ces artefacts d'électrocoagulation, justement, comment le souligner et comment le dire dans nos comptes rendus à nos collègues qu'on a des réserves parce qu'on a quelques artefacts? Est-ce qu'on utilise le qualificatif juste minimum ou on prend le téléphone et on appelle et on dit « j'ai des artefacts, j'ai du mal » ou on fait les deux? Ça dépend de l'impact pour le patient. Donc, c'est signalé dans les comptes rendus. Moi, je classe même les artefacts en mini, modéré, sévère. Quand c'est sévère, c'est même signalé dans la conclusion sous réserve. Alors là où je prends le téléphone, c'est quand j'ai un doute avec un stade, un PT2. En gros, quand on a ce gros doute-là, là, il faut prendre le téléphone et il faut signaler qu'on est peut-être dans un stade PT2, mais qu'on n'arrive pas à le prouver. Après, quand c'est une histoire de PT1A versus PTA, c'est signalé dans la conclusion, mais on sait que les conséquences sont peut-être moins importantes. Donc, je dirais que ça dépend de l'importance de l'artefact, en fait, ça dépend de sa conséquence. Autre question, notre experte, pour les tumeurs supérieures à 2 cm en monobloc, est-ce que vous utilisez des mégacassettes? Non. C'est-à-dire, en monobloc, comme le disait M. Malavo, souvent, j'ai été étonnée d'ailleurs d'entendre que ça pouvait faire 10 cm parce que souvent, nous, c'est un peu plus petit. Je crois qu'au maximum, ce qu'on a reçu, ça faisait 3,5 de long. Après, souvent, M. Malavo les fragmente, mais alors il les fragmente en grands fragments. Donc, de ce fait, ça rentre toujours dans les petites cassettes. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser de mégablocs.
Effectivement, si ça devait arriver, j'hésiterais pas à utiliser un méga-bloc. D'accord, merci. Dernière question pour les carcinomes in situ. Est-ce que le fait de dire que la résection elle est suffisante ou la dissection elle est suffisante évite un deuxième look chez les patients? Donc, c'est une question double. Je pense que le carcinome in situ, c'est peut-être la seule entité pour laquelle la qualité de l'exérèse n'a pas, à mon avis, a peu d'impact, dans le sens où on sait que c'est une maladie de l'urothélium, on sait que c'est souvent diffus, on sait que c'est pas parce qu'on voit des marges saines qu'il n'y en aura pas à côté, on sait que c'est multifocal et segmentaire. Donc, c'est vrai que c'est la seule limite. Le carcinome in situ, les marges d'exérèse, je ne vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, il est vraiment sur l'infiltrant éventuellement. Si le carcinome in situ est accompagné d'un contingent infiltrant, là, on aura un intérêt pour l'infiltrant. Merci infiniment. Docteur Albert, vous avez d'autres questions? Non, c'est bon. Je pense que le reste du panel, c'est des questions orientées vers le professeur Malavo. Oui, voilà. Exactement. Merci à vous. Merci. Ah oui, non, j'ai une question. Dernière minute, j'ai une question. Alors, c'est juste une question de ressenti pour le professeur Malavo. Quel est votre rapport au compte-rendu ANAPAC quand vous voyez Xérès dans monobloc? Sur quoi vous vous jetez en premier? Est-ce que c'est comme pour nos collègues, nos autres collègues endoscopistes gastro? Est-ce que vous jetez sur les limites directement ou sur la classification? Quel est l'élément que vous allez voir en premier, que vous allez vérifier? Je vais être franc avec vous. La première chose que je regarde, c'est si c'est signé par Sarah Péricard. Excellent. Très beau compliment, hein. Ça veut tout dire. Et une fois que j'ai vérifié que c'était bien signé par elle, bah, je suis satisfait déjà et je lis le compte rendu lui-même en commençant par la conclusion, effectivement. Mais c'est pas simplement un compliment que je fais à Mme Péricard, hein. C'est que c'est vrai qu'il faut qu'elle s'établisse entre l'urologue et l'ANAPAC des relations de confiance, parce qu'on confie la totalité du suivi et des décisions thérapeutiques à l'analyse d'une personne, d'un individu, d'un être humain. Et donc, si on n'est pas tout à fait à l'aise avec cet être humain, ben, on se retrouve en difficulté. Et nos patients se retrouvent en difficulté. Donc oui, effectivement, la première chose que je regarde dans un compte-rendu ANAPAC, c'est s'il est signé par le docteur Péricard. Avant de passer, je pense, la parole à Sebnani, c'est bête, vous avez oublié une question pour Sarah. Qui stipule, est-ce que depuis que vous avez le monobloc, vous avez plus de muscles dans vos pièces? Plus de muscles, ah, d'accord. Sarah? Donc, elle nous a présenté sa petite série. Donc, docteur Péricard, je vais peut-être répondre. Si, ouais. Je ne sais pas, apparemment, on l'a perdu. Je vais récupérer la connexion, pardon. Ah, c'est bon. D'accord. Je ne sais pas s'il y a une question ou pas. Si, il y a une question. Pardon, je suis désolée. Vas-y. Il y a une question la question, docteur. C'est est-ce que sur. C'est de la part de professeur Moussakri. Est-ce que depuis que vous recevez des pièces d'exérèse en monobloc, vous avez plus de muscles? Un petit peu plus, dans l'étude que j'ai faite, on en observe un petit peu plus. C'est pas vraiment ça qui est le plus significatif. On en a quand même plus, mais c'est surtout le fait qu'on est sûr que c'en est bien pour nous et qu'il est bien en face de la tumeur. Parce que, on le voit aussi sur les monoblocs, hein, il peut y avoir du muscle un petit peu en périphérie. Ce qui est sûr, c'est qu'avec des RTV monoblocs, nous, on est sûr que vous avez enlevé le muscle en regard de la tumeur et pas en périphérie. On le voit bien sur le monobloc. Le problème, c'est que je ne peux pas vous répondre pour les conventionnels. On voit du muscle. Alors après, la qualité de ce muscle, c'est difficile à... Non, ça, on ne peut pas répondre. On ne peut pas vous répondre là-dessus. Je ne peux pas vous dire si on peut vraiment comprendre ou pas. En quantité, oui, mais je pense qu'en qualité, c'est probablement mieux en monobloc. Mais je ne peux pas vous répondre, du coup, avec certitude. Alors, Ça, c'est une question vraiment très importante parce que les recommandations européennes insistent sur le fait qu'il doit y avoir du muscle, ouvrez les guillemets, en proportion avec la quantité de tissu réséqué. Et puis, c'est d'accord. Tout ce qu'on voit.
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un copeau avec une fibre musculaire lisse qu'on est satisfait. C'est-à-dire qu'on doit avoir suffisamment de fibre musculaire lisse pour qu'on puisse établir un stade en toute confiance. Et moi, l'élément qui est pour moi le plus important dans l'interaction que je peux avoir avec Mme Péricard, c'est la confiance qu'elle peut avoir dans le diagnostic de stade et de grade qu'elle me donne. Et ça, c'est un élément qu'on a tendance toujours à sous-estimer. C'est de nouveau des relations humaines. Moi, quand on me dit « j'en suis sûr » et que j'ai confiance en cette personne, je suis très à l'aise. Quand on me dit « ça pourrait peut-être bien être quelque chose comme ça », je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, il faut véritablement qu'on ait une information solide parce qu'on prend, nous, urologues, des décisions cruciales, vitales et pas une impression. Voilà. Et j'ai l'impression que Mme Péricard est plus satisfaite dans son quotidien depuis qu'elle a des résections monobloc qu'avec des résections fragmentées. C'est pas une... On le comprend. On a du mal à revenir au conventionnel après. Hein. Ça, c'est vrai. C'est une année. Il y a des questions. Questions, non, mais je voudrais juste... Non, il y a des questions sur le chat. S'il y a des questions... Il y a des questions sur le chat. Je voudrais juste glisser un mot. Si on doit trouver le maître mot de ce webinaire, c'est une harmonisation. Harmonisation du geste, harmonisation de la préparation des copeaux, enfin du monobloc, et harmonisation de la terminologie sur le plan anatomopathologique. Je reviens sur le plan anatomopathologique. Dernièrement, j'avais convenu avec les anatomopathologistes avec lesquels je travaille de laisser le terme d'infiltration à l'infiltration du muscle. Et lorsqu'il y a une infiltration du chorion, que l'on parle d'invasion. Comme cela, il n'y a pas de ce terme infiltration pour les urologues, c'est un terme péjoratif. Donc, je pense que déjà cette harmonisation de terminologie serait, je pense, la bienvenue concernant le côté anatomopathologique. Concernant le geste lui-même, je pense que le but de ce webinaire, c'est que le geste de résection endoscopique de la tumeur de vessie soit harmonisé, de telle sorte que l'on ait le maximum de muscles, que l'on ait un geste sécurisé. Et troisième chose, c'est que l'on se base sur des éléments, pas certains, mais au moins importants pour une décision importante pour le patient. Je voulais juste poser une question à M. Malaveau concernant l'anse de résection. Il va y avoir des anses qui vont sortir, et ils vont sortir très bientôt. Qu'est-ce que vous penseriez d'une anse qui serait dirigée dans le sens antéro-postérieur? Comme ça, on pourrait réséquer latéralement, et parce que la partie la plus difficile que l'on escamote à la fin, c'est le fond de la tumeur. Lorsqu'on arrive au fond de la tumeur, parfois on fait le geste, non pas prograde, mais on résecte dans ce sens parce qu'il y a une grosse tumeur et on n'arrive pas à voir le fond de la tumeur. Donc, une anse dans le sens antéro-postérieur permet de récliner. On peut le faire avec les anses que l'on a actuellement. On le fait, ça dépend de la dextérité de tout un chacun. Mais une anse dans le sens antéro-postérieur pourrait récliner la tumeur et on aurait une visibilité sur le fond tumoral beaucoup plus facile et je pense qu'il y aurait moins de perforations. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Malheur? Micro, s'il vous plaît. Micro. Professeur? Micro. Micro. À vous en chef. Oh, bon. Oh, ouais.
Bon, je pense que c'est une excellente remarque. Et en fait, tous les marchands ont des anses différentes. Il y en a qui sont vers l'avant, comme vous le dites, forward angled, comme ils disent en anglais. Il y en a qui ont un petit bouclier devant, là, qui permet même de soulever et de couper. Et on peut faire une résection avec l'ansoc, qui n'est que le doigt. On peut faire une résection avec ce que je vous ai montré, c'était des résections avec des anses qui sont à 12 degrés vers moi. Il y en a qui sont à 30 degrés vers moi, qu'on utilise principalement pour les prostates, plus que pour les résections prostatiques, plus que pour les résections de tumeurs de vessie. Moi, celle que j'utilise habituellement, c'est une lance à 12 degrés. Alors, pourquoi j'utilise une lance à 12 degrés? Je vais vous le dire tout simplement. C'est parce que, en fait, si vous la regardez, elle est comme ça. Donc, quand vous êtes en train de faire une résection du fond de la vessie, eh bien, la première chose qui touche le fond de la vessie, c'est la petite vidéo que je vous ai montrée, c'est une partie qui est inactive. Et c'est en pressant plus ou moins votre endoscope sur le fond que vous allez pouvoir couper. Donc ça, je trouve que c'est un élément de sécurité qui maintenant me plaît bien. Et par ailleurs, pour finir ma résection, alors, vous avez attiré l'attention des auditeurs sur un point qui est important, c'est la fin de la résection. La fin de la résection, c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais quand on veut s'arrêter. Et c'est compliqué parce que il faut séparer. Alors, quels sont les principes? Le premier principe, c'est de définir les limites de la résection avant de commencer la résection, c'est-à-dire de coaguler un petit peu tout autour. L'avantage de coaguler un petit peu tout autour, c'est que ça définit les limites et ça soude la muqueuse à la musculeuse et ça évite que l'on développe des grands plans de dissection sous-muqueux qui donnent des sortes d'œdèmes, etc., qui sont compliqués à réséquer. Donc, il faut bien définir au préalable les limites de la zone de résection en coagulant un petit peu partout. La deuxième chose, c'est que, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est que la fin de la résection, elle est en général pas prograde, mais elle est latérale. Et en fait, c'est assez facile à comprendre. On a fait un lambeau qui part de soi vers le fond de la vessie. On arrive au bout de ce lambeau. Il faut faire tomber le lambeau. Et pour faire tomber le lambeau, on va faire une dissection latérale. Alors, c'est facile quand on est sur le côté gauche de la vessie. Eh bien, on va faire un lambeau, le lambeau va tomber vers le centre et on va aller de gauche de la partie latérale vers la partie médiale, de gauche à droite. Quand on est à droite, eh bien, c'est l'inverse. Quand on est au niveau du dôme, c'est un mouvement transversal. Et quand on est au niveau de la face postérieure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, le lambeau est défini dès le départ en faisant une circumcision tout autour qui permet de tirer avantage de la distension de la cavité vésicale pour élargir le plan de dissection. Voilà. Mais vous avez raison, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt maintenant par les marchands pour définir des nouvelles anses de résection, des nouveaux protocoles, du laser interstitiel, du bipolaire, du monopolaire, etc. Tout le monde est dans le marché et je crois que nous autres urologues, on a dans les années qui viennent de la chance parce qu'on va pouvoir réinventer un segment de notre métier qui était quand même un petit peu archaïque. Ça répond-il à votre question, M. Benani? Parfait. Merci. Il y a des questions. Donc, si vous permettez, nous avons quelques questions qui sont posées par nos participants. Et dans la plupart, professeur Malavo, vous avez déjà répondu au moment d'exposer les résultats de l'enquête peut-être auprès des urologues de l'Association marocaine d'urologie. Mais j'en ai quelques-unes, si vous permettez. Bien entendu, oui. Je suis à votre écoute. Alors, bon, on va reprendre encore la même chose pour redéfinir les limites et taille. Quelle est la limite de la taille d'une tumeur à réséquer en monobloc? Si on peut avoir un chiffre, ce serait bien pour nos amis. C'est l'expérience aussi. Alors, je le répète, hein, tout ce qui est jusqu'à 1,5 cm, vous n'aurez aucun problème. Et 1,5 cm, c'est à peu près deux diamètres de votre résecteur. Donc ça, c'est aucune difficulté. Lors de l'extraction de la pièce, il est important de la laisser un petit peu accrochée à la vessie à la fin, parce que sinon, la pièce va tomber
et puis elle va flotter et vous aurez du mal à l'attraper. Parce que pour l'attraper, vous allez utiliser votre anse de résection que vous allez projeter derrière la tumeur et que vous allez ramener vers le bec de résection pour coincer la tumeur dans le bec de résection et sortir l'ensemble au sein de la chemise externe. C'est clair ? D'accord. Voilà. Une autre question. Donc, jusqu'à 1,5 cm, aucun problème. Quand on est au-delà de ce 1,5 cm, ça va beaucoup dépendre de l'aspect de la tumeur, de la dureté de la tumeur. Une tumeur qui est extrêmement friable est extrêmement pénible à enlever parce que où que vous l'attrapiez, elle va se fragmenter et vous allez perdre le bénéfice de votre résection, enfin de votre résection monobloc pour l'anapathe. Une tumeur qui est plus rigide, qui est plus dense, c'est-à-dire plutôt un haut grade, est de façon surprenante plus facile à retirer. Et quand vous avez des lésions qui sont trop grosses, qui font 3 cm, on n'a qu'à dire, soit vous décidez de les fragmenter avant de commencer votre résection, monobloc, et si vous les fragmentez avant de commencer votre résection, vous avez deux façons de les fragmenter, soit la surface et la profondeur, soit elle est tellement grosse, elle fait 4 cm que vous allez être embêté, et bien vous faites un sillon au milieu et vous vous retrouvez, vous faites un sillon au milieu de façon classique ou de façon monobloc, comme vous voulez, ça m'est égal. Façon intégrale, et après vous retrouvez avec deux lésions que vous pouvez gérer. Mais c'est vrai qu'on est parfois obligé de fragmenter des lésions qu'on serait capable de réséquer en monobloc, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de les sortir intactes de la cavité vésicale, et qu'il n'y a rien de plus pénible d'avoir passé 10 minutes à faire une résection monobloc brillante, et d'après avoir une demi-heure à tourner autour d'une tumeur qui flotte dans la vessie un petit peu partout et qui vous casse les pieds. C'est très agaçant. Clair. Et une autre question concernant un peu technique concernant le matériel et les anses de résection. Les anses bipolaires Storz ont un fil qui passe au. Poser la question comme ce qui a été écrit. Les anses bipolaires Storz ont un fil qui passe au-dessus. Les avez-vous essayé en résection monobloc? Alors, je pense que vous faites. Et l'auditeur fait référence aux anses qui ont en anglais, ça s'appelle le shield, un bouclier, enfin une sorte de petite anse inerte qui est devant. Oui, j'ai essayé ça. Pour être franc avec vous, je n'en ai pas retiré particulièrement de bénéfice. Alors, c'est un petit peu particulier parce que l'anse inerte qui est devant le résecteur Storz, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de soulever, de pousser, et donc ça, c'est bien, mais vous pouvez aussi le faire avec une anse de résection classique sans activer la pédale. Mais elle a aussi comme avantage de récupérer dans le fluide, dans le NaCl que vous utilisez pour irriguer, les ions qui sont générés par le plasma. Et donc, en fait, ça permet d'être certain qu'il n'y a pas de passage de l'électricité par la chemise externe du résecteur. En fait, les anses bipolaires Storz sont les vrais bipolaires. Les anses bipolaires Olympus, qui ne sont pas dites bipolaires, mais plasma kinétiques, il y a une petite partie de l'énergie qui revient par la chemise externe. Quoi qu'il en soit, l'anse bipolaire Storz dont parle notre auditeur, elle a deux objectifs. Un objectif, c'est de soulever. On peut soulever soit avec l'anse sans le bouclier, soit quand la tumeur est suffisamment volumineuse avec le bec du résecteur, vous savez qu'il y a ce bec en résine qui est devant, quand on a une lésion qui fait 1,5 cm, elle est suffisamment volumineuse pour que l'on puisse la soulever, une fois qu'on a commencé notre résection, on puisse la soulever avec le bec, et ensuite c'est l'anse qui passe dessous. C'est pour ça que c'est souvent plus facile. Et honnêtement, le cas idéal de résection monobloc, c'est une lésion du trigone ou du bas-fond, qui fait 1,5 cm parce qu'elle est suffisamment volumineuse pour qu'on voit bien les plans, pour qu'on puisse la soulever, la manipuler, la pousser d'un côté, la pousser de l'autre côté. Les autres, c'est plus compliqué. D'autres questions dont vous avez déjà répondu. Dans votre expérience, avez-vous un chiffre concernant les risques de perforation par cette technique de perforation vésicale? Donc, ça dépend de la localisation, de... Alors, oui, bien sûr. Alors, moi, je vais être franc avec vous. J'avais jamais eu de perforation avec les résections fragmentées parce que je suis un chirurgien trouillard et que je faisais très, très attention à tout et j'en avais jamais eu.
Et puis, quand je suis passé à la résection monobloc, je suis toujours le même chirurgien Trouillard, donc je faisais très très attention, mais je me suis aperçu qu'on avait un plan de sécurité, on avait un plan de dissection, qu'on était plus en sécurité. Donc, j'ai sûrement fait des choses qui étaient beaucoup plus compliquées en monobloc que ce que je faisais avant en résection standard. Et dans ce cadre-là, j'ai brillamment réussi à perforer un dôme vésical sur un T1G3 en re-résection. Voilà, c'était même pas un TRG3 d'ailleurs, c'était un petit T2 chez un monsieur dont je me souviens bien du nom, qui n'était pas en état de subir une cystectomie, ni même une cystectomie partielle. Et voilà, il avait été réséqué, on m'avait dit que c'était un petit T2. J'ai voulu refaire une résection complémentaire avant un traitement conservateur. J'ai perforé. Je lui ai fait une cystectomie partielle et puis après, il est allé beaucoup mieux. Donc, comme quoi, j'aurais mieux fait de passer d'emblée vers la cystectomie partielle plutôt que de me casser la tête à essayer de faire des choses en endoscopie. Voilà. Et c'est la seule situation où j'ai perforé en faisant des monoblocs. Donc, je ne pense pas que ça soit plus dangereux. Voilà. Je ne pense pas qu'à qualité égale, ça soit plus dangereux. Mais je pense que si on fait une résection fragmentée extraordinairement prudente et donc vraisemblablement insuffisante, eh bien on est moins dangereux que si on veut faire en résection monobloc une résection de qualité et qui donc de ce fait est un petit peu plus dangereuse. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? Oui, absolument. Tout est oui. Clair. Alors, une autre question, donc, je pense que vous avez déjà répondu, c'était le problème de la re-résection, le second look. Dans votre pratique quotidienne, vous avez, je pense, largement baissé cette pratique de faire une re-résection du lit tumoral. Voilà, donc il est vrai que quand on a la chance d'avoir fait nous-mêmes la première résection et qu'on nous dit qu'il y a un TA de haut grade, mais il y a du muscle en regard et il n'y a pas de CIS, honnêtement, on ne voit pas l'indication d'une re-résection. Même si dans les guidelines européennes, on dit que pour une résection classique, il est recommandé de faire une re-résection pour les T1 de haut grade, mais aussi pour les TA de haut grade quand ils sont volumineux. Pour être franc, nous ne le faisons pas. Mais quand on doit, nous, faire des re-résections de tumeurs qui ont été réséquées ailleurs, comme je vous l'ai montré sur la vidéo longue qui était à la fin de ma présentation, à ce moment-là, on est dans une situation qui est plus délicate, qui est plus dangereuse, parce que la re-résection d'un T1 de haut grade, elle doit enlever la totalité de la cicatrice. On ne résèque pas un bout de la cicatrice pour voir si la cicatrice est de la cicatrice. On résèque la totalité de la cicatrice pour voir si en dessous de la cicatrice, on n'a pas laissé de la tumeur. En d'autres termes, quand on fait une re-résection d'un T1 de haut grade et qu'on voit que c'est indiqué, il faut s'investir. C'est pas l'intervention facile. Ce n'est pas la plus facile, en tout cas. Et dans ce cas particulier, quand vous faites une résection assez large de la base de la tumeur, est-ce que vous prolongez votre sondage urinaire, vous gardez plus la sonde, vous l'enlevez assez précocement? Alors, c'est une très, très bonne question. L'avantage des T1 des re-résections, c'est qu'elles se font dans une ambiance cicatricielle. Donc, la graisse périvésicale est souvent déjà modifiée par la résection première. Pour ceux d'entre nous qui se sont amusés à demander des scanners ou des IRM après résection, on s'aperçoit qu'il y a une quantité considérable de fluide qui est autour de la vessie, même si on n'a pas eu l'impression de perforer. Ah oui. Donc, pardon ? Oui, oui. Continuez. Voilà. Donc... Pour être franc, j'ai pas souvenir d'avoir les. En général, on résèque les gens et ils partent le lendemain matin sans sonde. Voilà. Et il doit nous arriver de façon tout à fait exceptionnelle de leur dire écoutez, on a fait trop de trous dans votre vessie, mais volontairement, hein, pas involontairement, partez chez vous et revenez la semaine, 5 jours plus tard, pour qu'on vous enlève la sonde. De les garder 2-3 jours à l'hôpital avec une sonde et juste pour attendre, on le fait pas. Donc, soit ils partent le lendemain matin. 99% des cas sans sonde, soit ils reviennent la semaine d'après et ils sont partis avec une sonde et ils reviennent la semaine d'après pour qu'on leur enlève la sonde. D'accord. Professeur Benani, je continue de défiler les questions ou... Parfait, allez-y. Merci. D'accord. Alors, une autre question dans votre expérience, est-ce que vous n'avez pas l'impression
qu'il y a plus de saignement avec la bipolaire? Alors, sinon, c'est autrement, beaucoup de questions se posent. Beaucoup de questions se posent parmi nos confrères urologues, c'est que la bipolaire, ça saigne un peu plus. Or, si on prend, si on veut coaguler juste avec l'anse, peut-être que ça ne marche pas assez. Et peut-être qu'il va falloir changer l'anse et mettre une anse avec une boule métallique, et ça permet de coaguler mieux que l'anse elle-même. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Balabou? Alors, moi, je ne fais pas ça, donc j'en ai pas ressenti le besoin. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi différentes techniques de résection bipolaire, mais moi, j'utilise le système Olympus. Je pense que Stort, c'est pareil, d'ailleurs. Il y a aussi Wolf qui en vend. Je n'ai pas noté plus de saignement, mais vos collègues ont raison quand ils disent que quand les patients sortent du bloc opératoire, ils ont en règle pas une goutte de sang dans la poche. Et le soir ou le lendemain matin, en particulier pour les tumeurs qui sont au niveau du dôme, c'est-à-dire la partie qui est distensible de la vessie, on se retrouve par exemple le lendemain matin avec des urines rouges ou rosées, alors que le soir, elles étaient absolument claires. Et ça, je pense que c'est très dépendant du lieu de résection. Le trigone et la base, c'est stable, il n'y aura pas de traction sur la zone cicatricielle. Donc, le risque de saignement, de mon point de vue, est très, très faible. Pour les lésions du dôme, le risque de saignement est plus important. C'est pour cela que, dans la vidéo que je vous ai montrée, à la fin de l'intervention, je passe du temps à faire cette coagulation sans contact. C'est-à-dire que je me mets à 1 ou 2 mm de la paroi vésicale, réséquée comme non réséquée, d'ailleurs, comme la périphérie de la résection, pardon, et j'active la coagulation. Ça va entraîner un effet de radiofréquence et donc de destruction de la muqueuse péri-résection. Et donc, ça évite les limites de l'effet de champ et de la possibilité d'avoir un carcinome urothélial non visible en périphérie de la zone réséquée, premièrement. Et deuxièmement, au niveau de la résection elle-même, de la cicatrice elle-même, ça active les fibres musculaires lisses, donc vous les voyez qui se contractent. Si vous avez un petit saignement, une petite veine là, qui était tranquille, vous savez, parce que la pression vésicale est là, etc., eh bien, ça l'écrase et on voit un petit jet de sang et on peut faire une coagulation directe. Et l'avantage et ça, je le fais vraiment sur la totalité de la zone de résection, en particulier pour les lésions du dôme. Et l'avantage que je vois à ceci, c'est que la résection bipolaire par rapport à la résection monopolaire est une résection qui se fait entre guillemets à basse température. On voit sur l'anse quelque chose qui est orange, mais alors, ce qui est orange, ce n'est pas une anse incandescente comme une ampoule ou comme une résection monopolaire, c'est simplement l'effet de création du plasma à partir du sodium, du NaCl que l'on met, du sérum physiologique que l'on met. Mais l'anse elle-même, elle n'est jamais à plus de 40 degrés, de 45 degrés. Donc, on a finalement peu de chances, quand on est on a finalement assez peu de chances de brûler des organes qui seraient juste derrière. Vous savez que autrefois, moi en tout cas, j'avais peur dans une résection profonde de faire une coagulation un petit peu trop appuyée en me disant mais je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière, et quand j'aurai ma chute d'escarre, je risque d'avoir un saignement quelques jours après ma résection. Ça c'est pas une crainte que j'ai avec la bipolaire. Alors, une autre question, si vous permettez. L'effet des différents types d'électrodes sur la qualité du spécimen. Et aussi, comment fixer le spécimen pour examen à la palpe? Ça a été bien dit par Dr Péricard. Alors, les différentes électrodes, honnêtement, moi, ça m'est égal. On utilise l'électrode que l'on veut. Moi, j'ai l'habitude de cette électrode de 12 degrés vers moi. Et je lui trouve un avantage clair pour les lésions de la face postérieure de la vessie, parce que ça me permet d'être certain que quand j'appuie sur la face postérieure et que je vais activer mon système de coagulation, en fait, je ne vais pas partir dans une zone où je ne voudrais pas aller. Pas oublier que la résection bipolaire en section, ça coupe vraiment comme du beurre, hein. Ceux qui l'ont utilisé pour faire de la résection de prostate s'en souviennent. Par rapport à ce qu'on avait avec les monopolaires, c'est un sabre laser que l'on a quasiment. Donc, quelle que soit l'anse, je pense qu'on a les mêmes résultats. Alors, pour la préservation du spécimen, c'est la technique de résection qui compte. Et ensuite, pour la fixation,
Alors, moi, je suis un petit peu maniaque, je dois dire. Je récupère donc mon anse avec. Je récupère mon spécimen avec l'anse. Et une fois que j'ai récupéré le spécimen, j'évite de le mettre dans une compresse, parce que j'ai toujours peur qu'une muqueuse qui se décolle facilement, c'est-à-dire un carcinome in situ, reste collé sur la compresse et n'aille pas chez Madame Péricard. Donc, je prends à la main, comme ça, tchac. Je suis dans un centre anticancéreux, donc on pratique assez souvent des tatouages. On a des encres de tatouage, donc je prends de l'encre avec un coton-tige et je trempe mon coton-tige dans l'encre de tatouage et je tamponne le fond de la tumeur. Puis ensuite, ce fond de tumeur, je le pose sur un carton qui est le carton qu'on utilise pour les grosses pièces et on utilise les épingles qui sont tout autour. Et la petite astuce que je peux vous donner et qui a d'ailleurs été inspirée par Madame Péricard, c'est qu'on évite d'utiliser les grosses aiguilles de fixation des pièces ORL ou digestives et on a acheté des aiguilles de fixation de papillons. Les aiguilles des entomologistes, parce que ça fait des tout petits trous, ce sont des aiguilles qui sont très très rigides, et Madame Péricard semble satisfaite de la taille des trous que l'on fait dans son spécimen, donc tout le monde est heureux. C'est parfait. Et ensuite, ouais. Ne pas oublier qu'une pièce n'est fixée que quand elle est immergée dans le formol, et que si vous l'avez mise sur un carton, le carton flotte, et donc il faut la retourner quand on la met dans la pièce pour que l'ensemble soit bien dans le formol et qu'on n'en voit pas, on n'en a pas quelque chose qui va être détruit par l'air. D'accord. Alors, une autre question concernant le paramétrage du générateur bipolaire au niveau de la section. Alors, ça c'est, chaque fois que je fais des résections en live, on me pose tout le temps la même question et je donne toujours la même réponse, c'est que je ne le sais pas. J'utilise l'effet 2 standard d'Olympus. Et je n'ai jamais modifié le système. Alors, je sais qu'on peut changer. C'est trop compliqué pour moi. Et donc, je n'ai pas de réponse à cette question qui est pourtant très pertinente. Moi, je me mets en effet 2 et je n'ai jamais rien changé. Il y a quand même une remarque là. C'est que les résections bipolaires sont toutes dépendantes de la température du liquide que l'on utilise. C'est-à-dire que quand on veut avoir une section qui est franche et éviter en fait un effet de coagulation initiale, il y a deux façons de gérer ça. Il y a le générateur lui-même qui a toujours un petit logiciel à l'intérieur qui fait en sorte que l'énergie qui est délivrée initialement est très très élevée, puis après elle chute brutalement. C'est pour ça vraisemblablement d'ailleurs que l'effet de bjit 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 est aussi efficace, c'est qu'on a un burst d'énergie, on a une projection d'énergie qui sectionne et qui repousse. Et je pense qu'on le voyait assez bien sur les vidéos. Et ça, c'est la première façon. Et la deuxième façon, c'est qu'il faut, autant que faire se peut, faire en sorte que le sérum physiologique soit chaud, soit à température du corps pour pouvoir avoir une bonne section. Quand on utilise du sérum physiologique froid, on a du mal à avoir une section franche et au contraire, on commence par un petit effet de coagulation qui n'est pas du tout bon pour le spécimen et donc ça, ce n'est pas l'objectif. Vous me permettez, Malavou, j'ai une petite question. Est-ce qu'il ne vous arrive pas avec des franges, avec des copeaux qui adhèrent à l'anse? C'est difficilement, toutes les tumeurs de vessie adhèrent souvent à l'anse. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des astuces? Alors effectivement, monsieur, vous avez raison de le souligner. C'est très vrai avec le monopolaire qui colle. Et d'ailleurs, c'est cet effet de colle, enfin de coagulation, de soudage, qui fait que quand on fait une résection monopolaire, il y a peut-être un petit peu moins de saignement, pas lors de l'intervention, mais dans les jours qui suivent. Mais pour la résection bipolaire, dès que quelque chose se colle dessus, l'effet de la résection bipolaire en section, c'est de créer un plasma, c'est-à-dire un état intermédiaire de la matière entre le gaz et le liquide. Donc, quand on veut, quand on a quelque chose qui est collé sur la paroi de l'anse, il suffit de se mettre au centre de la vessie, dans le sérum physiologique de la vessie, et d'appuyer sur la section. La génération de plasma
entre le métal et l'eau va repousser tous les débris. Et on se retrouve, on a cet avantage avec le bipolaire de ne jamais avoir besoin de sortir l'anse pour la nettoyer comme on le faisait avec le monopolaire autrefois. Ben, il faut appuyer sur la pédale, l'anse dans le vide, au milieu. Action, de ici. Voilà. Et ça se nettoie. C'est un auto-nettoyage. Ouais. La pédale section, hein, pas coag. Section. C'est Dahami. D'autres remarques? Professeur Douane nous dit qu'il y a plus d'objectivité dans le monobloc et plus de subjectivité dans la classique, c'est-à-dire la monopolaire. Et la résection, comme ce qu'on faisait auparavant, donc résection complète du cœur, de sa base tout seul. Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que tous les chirurgiens, si on est tombé dans cette maladie qui s'appelle la chirurgie, c'est qu'à un moment, on a été attiré par le plan chirurgical, la capacité de trouver son chemin là où les autres ne le trouvaient pas. Et la première chose qu'on nous apprend quand on est tout jeune interne, c'est que quand on est dans le bon plan, la vie est facile. Et dès qu'on n'est pas dans le bon plan, c'est l'enfer. On a tous commencé à disséquer, une aorte en se mettant à 2-3 cm de l'aorte en pensant que ça serait plus sûr d'être loin de l'aorte ou à 5 mm de l'aorte. Alors que quand on est au contact et qu'on est dans le bon plan, c'est d'une facilité exemplaire. Ben, c'est la même chose pour la vessie. Il faut trouver le bon plan, il faut dessiner du plan, il faut l'atteindre avec une section qui est au bon endroit et à la profondeur que l'on veut. Et ensuite, il faut surtout le suivre. C'est pour ça que je donnais tout à l'heure l'exemple de ces bandelettes musculaires que l'on voit très très bien en dissection bipolaire parce qu'il n'y a pas trop de coagulation et que l'on peut suivre, on se met sur le bundle, sur la bandelette musculaire, sur le faisceau musculaire, on va chercher l'excès. Et puis, tant qu'on est dessus, on ne perforera jamais la vessie puisque le faisceau musculaire participe à la paroi du détrusor. Sa deuxième remarque, si vous permettez, il dit qu'il y a une rapidité de prise en charge en monobloc, dans la monobloc par rapport à la résection classique. Il y a moins de dépenses pour la monobloc et plus de dépenses pour la résection classique avec une re-résection. Et je pense aussi, une question pour nos amis anatomopathologistes, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir une seule pièce en monobloc ou trois pièces qu'on adressait auparavant? Réséquer la tumeur à part, réséquer la base de la tumeur et réséquer le pourtour ou limite de la tumeur. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Mansouri, Dr Haddad et Perica? Quelle attitude, Madame Perica aussi? Moi, je préfère avoir tout en monobloc dans le sens superficie jusqu'à profondeur, quitte à ce que ce soit réséqué en plusieurs fragments. Donc la deuxième technique de Monsieur Malavo a décidé d'emblée de réséquer en plusieurs fragments, mais avoir un maximum toute l'épaisseur, parce que je trouve que c'est ça qui change par rapport au copeau pour nous, pour notre interprétation. Je ne suis pas forcément une grande fan des superficies, profondeur, latérale, parce que je pense que pour vous, se dire que c'est si on a la profondeur et qu'elle n'est pas atteinte, a priori, c'est qu'on est tranquille. Je comprends la démarche, mais c'est vrai que pour moi, je suis plus à l'aise quand je suis sûre d'avoir de la superficie à la profondeur, parce que je vous explique, quand on a toute la hauteur comme ça, si on n'a pas d'infiltration dans le corion, a priori, il n'y a pas de raison, sauf cas particulier du fait qu'on vous a montré tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison de rechercher une infiltration du muscle. Normalement, c'est continu. Et on est tellement plus à l'aise quand on a toute de la superficie jusqu'à la profondeur, quitte à l'avoir en plusieurs morceaux, mais plusieurs morceaux bien orientés chacun, comme on le voit bien, moi. Oui. Donc, je suis du même avis, une dissection en monobloc, c'est l'idéal à avoir parce que on a, comme a dit ma collègue, on a une extension sur tous les niveaux. Bon, le seul petit avantage sur le fragmenté avec le péri lésionnel ou le péri tumoral, c'est de détecter parfois des dysplasies, voire des carcinomes in situ adjacents parfois qui poussent l'urologue à surveiller après son patient. Pour ma part, moi, je dirais que la messe est dite, hein, parce que au lieu d'avoir trois informations séparées et on doit amalgamer ça dans un compte rendu et vous le redonner,
on a une sorte de, on a l'architecture globale, on comprend comment ça s'organise, et puis on peut donner les critères histologiques de résection et dire ce qui se passe réellement chez ce patient, si ça tout a été enlevé ou si c'est une histologie spéciale, on insiste particulièrement sur ça. Et puis le bénéfice, comme a dit le professeur Malavo, c'est aussi satisfaisant de savoir qu'on a fait un bon travail et que derrière, on est sûr que l'exérèse a été enlevée en totalité. Voilà. Oui. Merci pour vos réponses. Professeur Benani, vous avez une remarque ou... Je voulais juste poser une question. C'est peut-être une remarque, plus une remarque qu'une question. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Malavo, de la vaporisation lorsqu'on a réséqué la tumeur de vessie, essentiellement au niveau des berges, pour que l'on soit un petit peu plus profond, pour éviter tout risque de récidive. Alors, tout à fait. Il y a dans la technique bipolaire la possibilité d'utiliser des anses de vaporisation, des anses champignons. Ces anses de champignons, elles ont été développées initialement d'ailleurs pour faire la vaporisation de prostate. Puis bon, avec le développement du laser, ce n'est pas là qu'elles ont trouvé leur plus grand succès. On peut les utiliser aussi dans la cavité vésicale afin d'assurer la vaporisation de surface. Et quand on parle de vaporisation, on parle de destruction du tissu en surface. Moi, le seul moment où vraiment je lui trouve un intérêt, c'est quand j'ai une tumeur qui est volumineuse, mais volumineuse, hein. Quand je dis volumineuse, c'est volumineux, et qui est ennuyeuse, et que je ne veux pas réséquer, parce qu'après, je vais me retrouver avec 5000 fragments qui vont me gêner dans ma dissection. Donc, on peut à ce moment-là faire une vaporisation de la surface. De toute façon, la surface nous apporte, enfin, de la partie exophytique de la tumeur, dont on n'attend finalement qu'un bénéfice que pour définir le grade, et on aura toujours largement assez de tissu pour définir le grade. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on range l'anse champignon et on se sert de l'anse classique pour faire la résection monobloc du pied. Il est vrai qu'on a toujours un intérêt, je le crois ça très sincèrement, à détruire la muqueuse qui est autour de la zone qu'on a réséquée. Et on peut le faire soit avec cette anse champignon. Malheureusement, cette anse champignon, comme l'anse classique, c'est une anse à usage unique, donc il faut payer une deuxième anse. Soit, et en France, elles ne sont pas données. Soit, on peut utiliser l'anse de résection pour vaporiser, comme je vous l'ai montré avec cette technique, pour détruire, comme je vous l'ai montré avec cette technique no-touch, où on va blanchir la muqueuse sans même la toucher. On voit la muqueuse qui devient blanche, qui se soulève et qui ensuite se décolle et s'en va, et le faire sur 2, 3, 4, 5 mm tout autour, dans la périphérie de la zone. 5 mm, c'est beaucoup hein, dans une vessie. Enfin, c'est... Voilà. Mais j'utilise pas la boule pour vaporiser le fond de ma résection après une résection classique, parce que soit j'ai bien fait mon travail et au fond il n'y a rien, soit j'ai bien fait mon travail et au fond s'il y a quelque chose, ben c'est un T2. Est-ce que ça répond à votre question, M. Benani? Parfait. Merci. Oui. Oui, Monsieur le Président. Ben, s'il n'y a pas de questions... Il n'y a pas d'autres questions. À part une question concernant la perforation vésicale, vous gardez la sonde pendant combien de jours? Ah, bon, si vous voulez, on peut en parler puisqu'on a du temps. Alors, il y a deux perforations. La perforation intrapéritonéale, en général, si elle est importante, elle se traite par une laparotomie et une évacuation du liquide, ou une laparotomie ou un drainage. Et puis, il y a la perforation... Oui, alors là, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est assez amusant parce que s'il y a un sujet qui intéresse les urologues et sur lequel il n'y a rien de publié, c'est celui-là, puisqu'il y a toutes les attitudes. Je mets un drain et je fais rien. Je fais une laparotomie, j'aspire, je lave et je fais rien. Je fais une laparoscopie et j'aspire, je lave et je fais rien. Et puis, j'essaie de fermer le trou dans la cavité vésicale. Ou bien, j'avais une tumeur qui était tellement importante, j'ai perforé, tant pis.
je vais faire une cystectomie partielle. Vous avez toutes les attitudes qui sont décrites sous la forme de case report. Chacun dit que c'est la bonne solution. Moi, je dois vous avouer que les deux fois où ça m'est arrivé, celle que je vous ai décrite tout à l'heure et une autre qui était une résection dans mes jeunes années, j'ai tout simplement mis un drain dans le péritoine et j'ai attendu que ça se ferme tout seul en laissant la sonde une semaine. Et d'aller imaginer qu'on va aller faire une grande dissection abdominale en ouvrant le ventre pour aller fermer un trou qui fait 5 mm de diamètre, bon, ça, je trouve que c'est cher payé. Effectivement, concernant les perforations vésicales, quand il y a une perforation latérale et sous-péritonéale, on peut se permettre de garder la sonde quelques jours. Je dirais 5-6 jours, ça peut marcher, mais quand il y a une perforation inflammée, la brèche, et qui est plus visible par l'aparoscopie, j'en ai eu l'expérience d'une seule perforation d'une petite tumeur que je voulais réséquer en monobloc il y a quelques années, malheureusement avec lance monopolaire, et puis hop, il y a un petit trou, une distension abdominale, on le reprend rapidement par la laparoscopie, lavage, et un petit point en X au niveau de la vessie qui a permis de régler le problème, et un petit drap au niveau d'un orifice de trocar. Voilà, donc il reste une dernière question concernant la re-résection de second loup quand on passe du statut tumeur superficielle de vessie non infiltrant le muscle au stade T2. Quelle est votre attitude d'emblée? Est-ce que vous faites une cystectomie ou y a-t-il d'autres... Alors, ça, je crois que c'est vraiment très important. Il nous reste combien de temps là? Parce que moi, je peux vous en parler pendant 2-3 minutes. C'est avec grand plaisir. Je crois que... 2-3 minutes. Ça va, pardon? Oui, c'est bon. Alors, à partir du moment où on dit qu'on va réinventer complètement le cancer de vessie, on va le réinventer. On a quand même aujourd'hui plein d'informations extraordinaires pour adapter, pour personnaliser les soins. Et je pense que de faire des cystectomies avec ou sans chimiothérapie néoadjuvante, avec ou sans chimiothérapie adjuvante, quand la néoadjuvante n'a pas été faite, chez toutes les T2, c'est excessif. Et toute la littérature dit que quand on regarde la survie à 3 et à 5 ans, les bonnes indications de conservation vésicale ont la même survie, voire même au moins la même survie que les cystectomies. Alors que les cystectomies ont un risque de morbidité, de mortalité qui est réel. Donc la question qu'on doit se poser, nous, c'est quelles sont les situations un petit peu originales, subtiles, qui pourraient nous autoriser, alors qu'on a vraisemblablement une infiltration vésicale, à ne pas partir sur une cystectomie. Et pour ça, j'accorde beaucoup de poids, je dois le dire, à l'endoscopie initiale. Quand on fait une vidéo-endoscopie, on voit la tumeur, on voit sa taille, on voit son aspect général, on sait si elle est massive, sessile, on voit si elle est bien pédiculée, on voit son pied. Donc, on peut d'ores et déjà, les urologues qui ont de l'expérience, on a tous de l'expérience, on sait très très bien distinguer un TA d'un T1, et puis un T1 d'un T2, on a quand même quelques idées. Donc, quand on a un doute sur l'endoscopie, sur éventuellement une lésion qui ferait moins de 3 ou 5 cm, on n'a qu'à dire, qui est dans une zone que l'on peut réséquer en toute sécurité, c'est-à-dire le trigone, la face latérale, chez quelqu'un qui est en mauvais état général ou qui pourrait ne pas vraiment faire les frais d'une cystectomie, il faut se poser la question, dès le début, est-ce que ce n'est pas une bonne indication de conservation vésicale? Et pour que ça soit une bonne indication de conservation vésicale, il faut, un, faire de l'imagerie en préopératoire, sans avoir les artefacts de résection. Cette imagerie, c'est soit un scanner, soit une IRM, si on en croit les travaux du professeur Panebianco de Rome, European Urology en 2019, octobre. Soit c'est un scanner, de toute façon, ça nous permettra de voir le haut appareil, de vérifier qu'il n'y a pas de ganglion. On fait un bilan d'extension sur le scan. Et puis après, on fait une résection, mais dans cette résection, on se dit, j'ai envie de tout enlever. Et là, c'est une face latérale, eh bien, je vais faire un bloc obturateur
Je vais le faire sous anesthésie générale avec un masque laryngé. Le masque laryngé, ça dure 1h30. C'est largement suffisant pour faire une résection complexe. Et puis, on y va. Et donc, pour moi, la bonne indication de cystectomie, de conservation vésicale, c'est une lésion de haut grade, unique, de 3, 4, 5 cm de diamètre, au sein d'une cavité vésicale, du trigone ou de la face latérale, donc une zone qui se au sein d'une cavité vésicale qui est saine. C'est sûr qu'on ne va pas faire une conservation vésicale quand il y a des tumeurs partout et qu'il y a du carcinome in situ dans l'urètre prostatique. Mais ces patients-là, je crois vraiment qu'en réunion de concertation pluridisciplinaire, il faut discuter de la préparation à la cystectomie. Comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, c'est cette notion d'harmonie, d'harmonisation. Il faut discuter de la préparation à l'endoscopie, de l'obtention des résultats les plus fiables possibles, idéalement par résection monobloc, et ensuite d'un traitement multimodal qui utilisera la radiothérapie et la chimiothérapie. Et on a des bons résultats. Il faut qu'on se remette, nous, urologues, au centre du jeu. Et pour se remettre au centre du jeu, il faut qu'on maîtrise les indications, aussi qu'on maîtrise les indications de conservation vésicale, et qu'on ne fasse pas simplement des radiothérapies chez des gens chez qui on ne peut rien faire et qui, de toute façon, ne marcheront pas bien. Merci, professeur Malabo, pour ces éclaircissements. Docteur Mcharpé, vous avez la parole. D'accord. Merci. Merci, Sid Dahami. Merci beaucoup pour nos deux intervenants. Merci, docteur Sarah Péricard. Merci, cher ami, donc, Bernard, docteur Malabo, pour ce webinaire très intéressant et pratique qui était fructueux, instruct, qui était très intéressant pour nous. Surtout, vous avez insisté sur l'aspect pratique. Et nous, on a voulu, si vous voulez, par ce webinaire, banaliser la bipolaire en monobloc. Je pense que ce soir, chose faite. Merci beaucoup encore une fois. Je remercie nos modérateurs, Anna Patérologue. Merci beaucoup. Vous avez bien managé, joué le jeu. Je remercie les urologues qui étaient avec nous et qui ont donc resté. Pardon? Il y a aussi les messages, take home message. Ah oui. Oui. Ah ben, vas-y, mon ami. Je vais vous présenter rapidement. Vas-y. Merci. Alors. Comment faire pour le partage d'écran? En bas, il y a partage d'écran. Le vert. En bas, au milieu. Et, je vais fermer. Oui, partage d'écran, d'accord. C'est bon? Vous arrivez à voir mon bureau. Professeur Dahami? Oui. Si vous faites bouger vos souris, il y aura une barre. C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous arrivez à voir la première diapositive? J'en ai deux. Oui, c'est bon. Alors, je remercie mon ami Imad Ziouzio de nous avoir préparé ces deux diapositives qui résument un peu l'intérêt de la résection en monobloc des tumeurs de vessie. Améliorer la qualité de la résection, ça permet d'améliorer le pronostic et l'évolution des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Il faut s'y mettre pour la résection en monobloc, au mieux par la résection à lance bipolaire. Et cette dissection sera faite de façon entérograde ou prograde pour enlever l'ensemble de la tumeur ainsi que les marges du tissu sain qui l'entoure. Il faut rechercher ce plan de dissection standard au niveau du muscle. C'est un plan qui est réel et qui peut être reproduit par une chirurgie, disons, carcinologique.
tout en respectant les règles de sécurité de la résection des tumeurs de vessie classique. Donc, éviter la surdistension de la vessie parce qu'il y a un risque de perforation de saignement. Toujours avoir une prudence lorsqu'on fait une résection au niveau des faces latérales pour éviter la stimulation du nerf obturateur et de provoquer donc des perforations. On peut s'aider bien sûr par une anesthésie avant de réaliser ce geste et aussi faire attention avec les tumeurs qui siègent au niveau du dôme et de la face antérieure de la vessie. Essayer de réséquer bien sûr à vessie, comme on dit à vessie semi-pleine ou bien à vessie vide. Donc pour la résection grâce à lance bipolaire, elle est préférable et permet d'éviter la stimulation du nerf obturateur avec moins de risque de perforation. Ça permet aussi, il faut éviter aussi la coagulation des berges et du lit tumoral de la résection. La résection monobloc permet de vérifier le statut R0 et permet de faire un ancrage par les urologues au bloc opératoire. Et on est quasiment certain de retrouver du muscle détrusor dans 96 à 100% des cas. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Ahmed Ziozio, professeur au CHU d'Agadir. Si je puis me permettre. Oui, allez-y. Ce sera juste excellente synthèse. Il y a un élément que je n'ai pas dit et je m'en veux un petit peu, c'est que quand on regarde les sites de tumoraux, quand on regarde les premiers diagnostics sont habituellement au niveau du trigone et de la face latérale et du bas-fond, c'est-à-dire en bas. Et on ne commence à voir des tumeurs du dôme et de la face antérieure que lorsque, habituellement, enfin principalement, quand il y a eu des résections antérieures. Donc ça pose le problème de ce réensemencement et en particulier de ces espèces de fragments tumoraux qui flottent avec des petites bulles et qui vont se coller tout en haut. Donc un des éléments sur lesquels j'insiste, c'est qu'à la fin de l'intervention, il faut absolument bien laver la vitée vésicale et enlever toutes ces espèces de débris qui restent collés au dôme vésical, parce que ce sont eux, je crois, qui sont en grande partie à l'origine de ces petites récidives millimétriques que l'on voit 6 mois après une résection qui est une lésion unique, qui s'est bien faite au niveau du trigone. Et puis les gens reviennent à leur endoscopie de contrôle, et puis 6 mois plus tard ou un an plus tard, on se retrouve avec 3-4 petites tumeurs qui sont à l'évidence des ensemencements, principalement en haut et assez rarement en bas. Voilà. Exactement, je confirme ce que vous venez de dire. D'ailleurs, une des astuces pour éviter ces récidives, c'est de maintenir l'irrigation continue 1 ou 2 jours après la résection, même si on a des urines claires en post-opératoire immédiat. Ça permet de faire un lavage de la vessie et essayer d'enlever le maximum de cellules tumorales qui risquent de flotter et de se fixer un peu partout au niveau de la vessie. Professeur Benali, si vous avez des remarques ou un complément d'information. Je tiens à remercier nos deux collègues de l'apport qu'ils ont apporté à toute l'urologie marocaine. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pas le son. Docteur Mchirki, votre micro. Je dis, y a-t-il une remarque pour nos anapathes? Non, je tiens aussi à remercier nos experts. C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses et on espère vous revoir très bientôt avec d'autres thèmes encore plus intéressants. D'accord. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. Évidemment, Bernard, notre grand ami, merci beaucoup. Madame Péricard, merci encore une fois. C'est un honneur pour nous, donc une première fois, et je pense que ça ne va pas être la dernière. On trouvera l'occasion de vous inviter pour nos congrès. Merci beaucoup. Merci aux modérateurs. Et avant, je remercie aussi le laboratoire Hikma pour son sponsoring. Merci Ptissam pour la technique qui est très performante. Donc, avant de vous quitter, je vous annonce donc le prochain webinaire. On va rester à Toulouse, tiens, on va rester à Toulouse. Et donc, le prochain webinaire,
du webinaire, c'est la valeur ajoutée de la prise en charge des calculs urinaires par l'urologue en 2020. Bon, c'est pour le 2 juillet, donc jeudi prochain. Merci tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée.